Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir Tom. Bonsoir, Bon. attendez. Ouais, il est trop loin, il est trop loin, Laissez-moi ça les y est. micros, Le Madeleine dans la premier bouche, la petite piège, Madeleine dans la bouche. le premier piège de la soirée, Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Bonsoir à tous qui avaient l'amabilité de nous suivre sur BB1 TV pour la troisième manche du championnat BB1 en GT4. Ce soir sur Bunt Panorama. Mais avant de développer plus en profondeur, monsieur Tom, comme on dit dans le livre de la jungle, et c'est là où vous allez voir que je suis bon, il en faut peu pour être heureux. Alors, Tom, je dirais pas le grand Tom, mais pas le petit Tom, si vous avez la ref. Le petit Tom, vous avez vu, je suis en pleine forme ce soir. Alors, Tom, comment allez-vous quand même? Je suis déjà fatigué là. Deux minutes d'intro, je suis déjà fatigué. C'est relevé, vous avez vu, c'est relevé. On n'est pas venu pour rien ce soir, je vous le dis. Heureusement que j'ai une petite douceur de Madeleine à manger avec mon petit thé là, parce que là c'est fatigant. C'est là où vous voyez qu'on ne boit pas la même chose, vous et moi. Alors nous sommes ce soir en Australie, donc plus précisément quand même en Nouvelle-Galles du Sud, sur la commune de Bathurst, le circuit de Mount Panorama. Littéralement parlant, panorama du mont. Donc c'est un circuit ouvert le 17 avril 1938 d'une longueur de 6,2 km avec ses 23 virages et son dénivelé hallucinant de 174 mètres. Qui fait que ce circuit est certainement d'ailleurs... Je vous mets une petite caméra hélicoptère pour profiter pendant que... Je vous en prie. Allez-y. Je vous en prie. Et c'est 174 mètres de dénivelé qui fait que ce circuit est certainement le plus emblématique de l'Australie, avec sa fameuse descente entre les murs, descente aussi redoutée qu'appréciée par les pilotes, parce que quand ils n'y arrivent pas, elle est redoutée, et quand ils y arrivent quand même, ils prennent un pied total. Mais nous décortiquerons ça, bien sûr, avec vous, Tom, lors des qualifs, et de votre tour explicatif que tout, j'ai ouï dire que tout le petit monde du sim racing nous envie quand même. J'imagine. Ce tour explicatif quand même, là on fait des jaloux, je vous le dis, j'ai des retours, on fait des jaloux. Ce circuit accueille tous les ans depuis 1963 les 1000 km de Bathurst, donc le fameux Bathurst 1000, et aussi chaque mois de février, et ça les pilotes e-racing le savent bien, les 12 heures de Bathurst. Et à noter comme fait marquant, j'en ai retenu un qui est assez hallucinant d'ailleurs, c'est le 4 octobre 1992, lors des 1000 km de Bathurst justement, la voiture du pilote Denis Hulme ralentit mais petit à petit, sans trop de vitesse, pour venir finir sa course, mais tranquillement contre les glissières de sécurité de la ligne droite des stands. Denis venait de décéder d'une crise cardiaque pendant la course. Oh merde. C'est un truc de fou, quoi. Oui, vous attendiez un truc peut-être un peu plus joyeux, je m'attendais à un babouin a pris le volant, mais non. C'est quand même complètement hallucinant. Le mec, il est mort au volant de sa voiture et il est venu gentiment, tu vois, se poser sur la ligne des stands. C'est un truc de fou, quoi. Et c'est dire quand même la difficulté et l'exigence de cette piste en vrai. On va espérer que ça arrive pas ce soir. Après, si vous voulez, on peut faire les paris. Moi, je connais quelques vieux dans l'équipe. C'est vrai. Je confirme. Il y a plus de chances que certains meurent que d'autres. Je suis d'accord. Donc voilà, pour finir sur cette note joyeuse, monsieur Tom, ce que je pouvais dire ce soir sur ce fabuleux circuit. Et je vous laisse quand même la main pour la traditionnelle présentation de nos pilotes du soir, monsieur Tom. Tout à fait. Alors, nous allons afficher la liste des pilotes avec les chronos, c'est très bien. Allez, les derniers, les meilleurs tours, ça sera très bien. Voilà, on va afficher les meilleurs tours, comme ça vous avez une petite visu chronométrique des pilotes. Alors, magnifique. Nous allons nous rapprocher des véhicules et nous allons commencer par le premier, le leader du championnat, monsieur Gregory Jarretts, avec une livrée, autant la version vert et blanche, j'aimais pas trop, autant la version vert, blanche et rouge, je l'apprécie de plus en plus, je la trouve très chouette. Vous l'avez dit la dernière fois, là, je pense que vous êtes tombé amoureux de cette livrée. Hein. J'aime beaucoup, je pense qu'il est allé revoir le peintre et
Et le peintre a satisfait les attentes. Là, c'est parfait. Parfait. Ah, le peintre est un artiste. Oh là là. Oh, c'est très... Oh là là. Oh là là. Toujours. Alors, on va dire. C'est une course de professionnel, hein. Non, 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 il y a du niveau ici, il y a du niveau. Alors, on va passer au deuxième pilote juste derrière, qui a changé de livrée et qui en a choisi une encore plus moche. Je pensais pas que c'était possible, mais si. Mais si, mais si. Notre ami Benoît, alors il a retiré les problèmes, je crois, de Specmap. On va vérifier, ouais, ouais, il a bien retiré les problèmes de Specmap. Mais là, par c'est contre... propre, hein. c'est propre. Alors là, la voiture est rayée, hein. Faut pas s'inquiéter, il manque un bout de sur le côté, mais tout va bien, tout va bien. Ensuite, en troisième position, nous avons El Kevinus Lambert avec sa livrée BB1, numéro 20. Derrière nous... Fatigué, m'a-t-il dit. Très fatigué. Très fatigué, d'accord. À prendre en compte. Pilote, oui, bon, ça sent l'excuse. La pré-excuse, ça sent la pré-excuse. Je me suis dit pareil, mais bon. Le meilleur peintre de iRacing, il est présent ce soir, Fred Raymond, la BMW de toute beauté. De toute beauté. Écoutez, celle-là, moi je pense qu'il faut qu'il la dépose et qu'il la garde surtout, parce que celle-là, quand même, c'est... elle est magnifique. Ah, je pense que s'il la met sur Trading Paint, tout le monde la télécharge. Là, il n'y a pas de doute. Là, y a pas de doute. Cinquième position, nous avons Paul Virieux avec une livrée somme toute jaune. Sobre. Je pense que là on peut pas dire mieux, elle est jaune. Derrière Popol, nous avons Monsieur Dranous, Monsieur Dran Frédéric, numéro 44, dans une livrée BB1. McLaren a noté. Ah non, pas du tout. Non, non, pardon. Une livrée BB1 somme toute jolie, belle livrée, pas grand chose à dire. Mercedes, c'est pour Fred, on sait que c'est un adorateur de la marque. Et après en couleur, il en a que trois, hein. Noir, blanc, rouge, il connaît que ça. Donc tout chez lui est noir, blanc, rouge. La cuisine est rouge, les chiottes sont blancs, la chambre est noire, enfin bref. Voilà, la salle de bain après, bon, c'est un peu particulier, mais bon, hein. On passe. Thierry Rocca, la fameuse livrée Marlboro, quelle que soit la voiture, il est là, en livrée Marlboro. La cartouche, je vous rappelle son nom dans le paddock, la cartouche, on l'appelle. Salut John. John est sur le... Ah bah tiens, je peux activer le... Est-ce qu'on voit le chat? Je sais pas si on voit le chat, du coup, je suis pas sur le stream. On voit le chat, c'est parfait. Bonjour, oui. John P qui est en train de rouler, donc... hein, pilote. Je ne suis pas sûr qu'il soit là. Ah non, t'as peut-être raison. Malheureusement, il n'est pas là et ça. J'espère qu'il va venir se connecter quand même sur le tard. On verra peut-être, bien. Peut-être on verra qu'il bien. N'est pas du tout là ce soir. Hein. C'est possible ouais, aussi. C'est possible. Ensuite, suivant Kevin, livré BB1 aussi, numéro 53. Monsieur Romain Hetman. Magnifique. Très propre. Magnifique, ouais, très propre. Incroyable, incroyable. Ça brille au soleil. Suivi du numéro 13, Boris, livré de la Scuderia Volpe. Plus loin, nous avons Fred Brassac avec une livrée toujours aussi simple. Toujours aussi classique. Toujours en Porsche, toujours en Porsche Fred. Toujours en Porsche et toujours aussi mal placé. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce chrono là, les 2.15 là, ça va pas du tout ça. Alors est-ce qu'il y aurait un... J'ai pas regardé les classements des voitures par rapport au... C'est vrai que je me suis pas amusé à regarder les positions des voitures. Qu'est-ce que nous avons? BM, Mercedes? Ah non, Porsche. Non, non, j'ai rien dit. J'ai l'impression que... Non, c'est un peu... Oui, et puis bon, il y en a quelques-uns qui vont revenir dans la bataille. Là, on a un classement qui est relativement équilibré. On a quoi en classement? Grégory, c'est quoi? C'est BM, Mercedes, Fred Raymond BM, Paul Porsche. Non, non, c'est à peu près équilibré, ça est à peu près cohérent. Revenons au pilote. Blanche et noire, pareil, livré assez classique. Jean-Jacques Taillant, livré Castrol, incroyable, livré. C'est quoi, c'était les Toyota qui avaient cette livrée, non, c'est... Non mais, il nous le dira, mais on s'était débarrassé de la Castrol de... Non mais attention, alors Jean-Jacques,
C'est pas la même. S'il y a un pilote qui peut mourir ce soir, c'est Jean-Jacques, par exemple. Parce que Jean-Jacques, il avait la livrée Pescarolo. Et là, je dis pas de conneries, mais pour moi, c'est la livrée de Didier Auriol en rallye sur la Toyota. Écoutez, on aura le retour. Vous vous êtes mouillé. Moi, je ne peux pas parce que je n'en sais rien. Mais ah, il aime les vieux. Il aime les vieux. Ça, il y a pas de. Jean-Jacques, quand il balance une livrée, il y a une histoire derrière. Il y a une histoire. Donc c'est quand Alex, même bon. Alex ouais. Sur le chat. Salut Alex. Ah Alex, commentateur du diable. On a bien fait de rester sur Jean-Jacques encore quelques mètres et qui vient d'éclater sa voiture. Dans voilà. On finit sur Fifi. Passage éclair au stand. Bonjour Fifi. Avec sa belle livrée aux couleurs de l'OM. Et la dernière voiture, le golfeur. Le golfeur en séminaire, voilà. Il est là, il est présent. Et on me dit qu'il a joué de la canne en séminaire. Je sais pas ce que ça veut dire, mais on me dit ça dans l'oreillette. Pascal qui aura quasiment fait les 12 heures de Bathurst aujourd'hui, hein, 4 heures de route, et il enchaîne sur la course sans s'arrêter. Incroyable. Merci Pascal de la présence. Beau geste de Pascal. Ah, merci Alex, merci. Ne nous excite pas trop Alex, hein, ça va finir. Alex qui est notre commentateur de la BB1 qui commente en vrai lui. Il a choisi l'autre chemin. Lui il a du talent. Voilà, c'est ça la différence. Voilà. C'est ça, la différence. Nous on bricole, on fait ce qu'on peut. Mais voilà, Alex, je vous le rappelle, c'est Funio. Allez le rejoindre sur YouTube. Vous allez passer un bon moment. Il dit pas que des conneries ce mec quand même, il faut le dire, donc on l'a dit. Alex, merci à toi pour la Funio. Alors c'est fait, c'est pris, c'est validé, ça je vais virer. Je vais faire un petit championnat, mais je suis pas sûr de mon coup, je vous cache pas que j'ai pas testé avant. Voilà, ça me semble bien. Il faut que je mette un nombre de courses, ça sera peut-être plus logique. Donc on est à deux courses et on va mettre zéro drop. Est-ce que c'est mieux? Je pense que c'est mieux. Ça ressemble plus à quelque chose. On peut dire un truc là, vous voyez. Voilà. Allez, je te laisse commenter le championnat pendant que je fais une manip là. Alors, nous avons au championnat général, donc BB1 GT4, nous avons Grégory Jarry au bout de deux courses qui a 735 points, Kevin Lambert 693, Benoît Vibard 614, un petit mouchoir de poche, Pascal Mirande 601, numéro 4, Frédéric Drané, numéro 5, 569, numéro 6, Frédéric Brassac 566, numéro 7, Frédéric Raymond, 544. Paul Virieux, numéro 8, 483. Romain Hetman, numéro 9, 459. 419 pour monsieur Jean-Michel Pradal qui n'est pas là ce soir. Donc, ça sera sa course bonus. Si vous pouvez, monsieur Tom, me faire défiler le reste du championnat. Ça peut m'aider. Stéphane Liedo numéro 11. On vous l'a dit, on sera jamais bon, mais on est pas loin. On n'est pas loin des meilleurs, ça je vous le dis. Numéro 11, Stéphane Liedo, pas là ce soir, excusé pour cause de travail. 417. Philippe Raymond, numéro 12, 383. David Duris, numéro 13, 372. Christian Garcin, pas là. David n'est pas là d'ailleurs encore ce soir. 14, 324 points pour Christian Garcin. P15 pour Boris qui est là ce soir, 246. Yvon Danzé, tout seul ou à plusieurs, mais Yvon Danzé ce soir, je vous la fais comme tout le temps, numéro 16 avec 220 points. Alexandre Longeau qui nous écoute, qui n'est pas là ce soir, numéro 17, 187 points. Et Jean-Jacques Théian, première apparition, ainsi que Thierry Roca. Pourquoi Thierry à zéro, je ne sais pas, il a déjà fait, non, il me semble, peut-être pas. 18 et 18, égalité à 0 points. Oui, non, peut-être que c'est les deux. C'est la première course des deux pilotes, effectivement, Jean-Jacques Théian et Thierry Roca en GT4, ce qui explique leur positionnement. À zéro, ouais. Ça ne veut pas dire que ce sont des zéros, bien entendu, on l'aura tous compris.
Nickel, impeccable. Alors hop, je finis ma petite manip et je dois être à peu près prêt. Il nous reste 8 minutes encore de practice. Donc on est largement dans les courses. N'hésitez pas à enlever. Calmez-vous. Vous êtes bien excité, monsieur. Vous êtes bien excité, monsieur le Lopin. Hop là. Ah, je ne bois pas du thé. Et bon, voilà. Et voilà. Moi, l'énergie me submerge. Un petit point sur les scores et sur les temps et les best laps. Nous avons Grégory Jarret en 2.13.813 qui prend la tête alors qu'on ne l'a pas vu s'entraîner cette semaine. Donc c'est dire si toi ce pilote est doué, soit il s'entraîne tout seul. Hein, c'est, vous avez le choix. Numéro 2, P2, Benoît Vivard, 2.13.910. On a deux pilotes en 2.13. Hein, les autres sont quand même relativement loin. Il y a un monde. Il y a un monde entre les deux autres. Kevin Lambert, 2.14.607. Frédéric Brand, 2.14.895. Frédéric Raymond, 2.15.050. Le meilleur en GT4 du monde entier de l'univers. Peut-être un petit coup. De gris là très intéressant avec 6 pilotes. Romain Guettman 2.15.477, Pascal Mirand 2.15.856 qui vient de rentrer d'un séminaire de 3 jours. On peut l'excuser de sa 11e position et je pense qu'il va quand même tout faire pour grappiller. Malgré ça, on a de la P4 à la P11. On a qu'une seconde. Hein, donc, ouais, c'est ça. Donc le milieu de gris va vraiment se batailler. Les deux devant, je pense qu'ils vont partir un petit peu devant. Suite à erreur, les deux autres derrière en 2.14 peuvent venir un petit peu mettre la zizanie. Et après, on a le gros morceau du plateau qui va vraiment s'écharper. De la 5e place, on va dire, à la 11e place, Pascal Mirand. Ils vont danser un petit peu. Derrière à 2.17.722, Jean-Jacques Théian 2.19.179 et Philippe Raymond 2.19.629. Voilà pour les chronos de ces messieurs ce soir. Voilà, on peut dire ça, on peut dire un groupe devant, un groupe intermédiaire et puis le gros du plateau juste derrière. Allez, on se met sur Fifi qui nous avait annoncé un 2.17.216. Fifi, allez Fifi, montre-nous que tu es capable de sortir ce chrono. Je vous rappelle aussi qu'il nous a dit à l'entraînement qu'il allait trop vite. Ah oui, non, il a dit c'est possible. C'était quoi la phrase? Je ne sais plus. C'était je ne sais plus. Je crois que c'était là j'arrive un peu vite. Je crois la phrase exacte c'était. Exactement, c'était ça. J'arrive un peu vite, je suis arrivé un petit peu vite. Ce qui est étonnant. Oui, après, quand les concurrents entendront cette phrase, méfiez-vous. Méfiez-vous. Je n'ai pas les freins en céramique. Méfiez-vous. Je n'ai pas les freins en porcelaine, j'ai des freins en papier. Allez, est-ce que ça améliore pour Fifi? Je ne vois pas son dernier chrono. Non, j'ai pas l'impression qu'il est amélioré, Fifi. Je vais. Allez, ouais, allez, un tour. Un beau petit tour, Fifi. 2.19.629, le. Non, il n'a pas amélioré. Il a pris 2 dixièmes de plus. Mais vous le savez, c'est les qualifications qui comptent. Hein. Donc, rappelez-nous le format de la course, format classique. Hein. On va la redire. 10 minutes de qualif pour 2 tours de qualification. Et après, la course de 50 minutes avec un arrêt. Et je le redis, tour expliqué par Monsieur Tom que tout le monde du Sim Racing nous envie. Et ça, très honnêtement, vous qui nous suivez, à droite, à gauche ou en différé sur YouTube, vraiment, c'est quelque chose à pas louper. Parce que c'est très très pointu, c'est pour ça que je le dis, hein, attention, toute moquerie mise à part.
Je précise aussi qu'on aura des fast repairs, qu'on a des fast repairs sur la course. Hein, donc en cas d'incident, les pilotes peuvent évidemment ne pas passer une demi-heure au stand. Vous en avez mis combien ? Illimité ou illimité, un seul illimité sur généralement, j'ai pas souvenir qu'on ait eu besoin de plus d'un fast repair sur une course de toute façon. Donc, ça dépend déjà, pour qui. C'est déjà, c'est déjà assez handicapant comme ça une fois qu'on l'a pris. J'ai des noms, mais je... Hein. Allez, il reste 3 minutes. Allez, Fifi, il faut claquer un meilleur chrono, là, Fifi. Il faut descendre en dessous des 2,19, là. 3 minutes, personne qui n'améliore. Malgré la baisse du carburant, les pneus sont peut-être un petit peu usés aussi. Toujours le meilleur temps en 2,13,813 pour Grégory. Allez, Fifi. Allez, faut s'accrocher. Vont dans les derniers retranchements de la voiture. Un petit peu large ici. Manque un petit peu de corps de Fifi. Non, ça sera de 20. Ça n'améliorera pas. Ah, ça n'améliorera pas. J'ai l'impression que les pneus vont jouer un rôle sur ce course un petit peu en appui. Et, enfin, je veux pas spoiler ce que vous allez me dire sur votre tour manuel. J'ai l'impression que notre Fifi a un petit peu du mal sur les cordes. Hein. Il n'y a pas une corde qui est. Qui est chopé malheureusement, c'est là-dessus qu'il perd tout son temps. Que fait notre ami Frédéric Raymond qui est maintenu PSA. Ah ouais, il est là, on est en mode S de l'intox. Exactement. Là, S de l'intox, qu'est-ce que c'est ? Là, nous sommes en mode attente. Les pilotes sont en train d'aller faire pipi et ils se préparent pour la qualification. C'est magnifique, magnifique. Regardez cette ligne de départ, pas du tout. C'est la ligne des stands. Oui, c'est là, à côté, la ligne de départ. Regarde, hop là, on vient de voir une voiture passer, c'est magnifique. Magnifique, ce jeu est incroyablement beau. On dirait Ren Sport. Ah, et puis, vu vos derniers réglages, vous nous l'avez rendu magnifique. Ah là, tout est à fond. Là, tout est au maximum. Je vous le dis. J'ai 702 FPS. Je ne sais pas quoi en faire. Il n'y a plus personne sur la piste, par contre, je crois. Je crois que là. Si, il y a Paul, il y a Boris, me semble-t-il. Paul non, qui Boris. Est encore en piste. Ah, mais non, si je mets les caméras, ça ira mieux. Si je mets les bonnes caméras, effectivement. Il faudrait peut-être vous mettre en live. C'est pas faux. Non, je suis en live, mais j'étais avec caméra statique au stand, donc. Prenez pas pour qu'on voyait personne. Toujours à la pointe, Pat Le Guen de la réalisation. Bah oui, non, mais D'ailleurs, on l'embrasse à Pat Le Guen. On est sur un savoir-faire là, incroyable. Nous avons, des régisseurs plein la musette. Nous avons 2, 4, 6, 8, 10. Voilà, nous avons au moins 20 caméras. 20 caméramans. Hein. C'est incroyable. Hein. Nous avons même loué un hélicoptère. Regardez. Hop là, incroyable. Moi, j'ai qu'une secrétaire qui m'amène de la gomme quand je la demande. Voilà. C'est tout. Une rentrée au stand un petit peu aléatoire de Boris. Oui, mais il vient de tenter. Il se dit bon, j'aurais peut-être dû en faire une autre ou deux. Une ou deux de plus, peut-être. Allez, on va se préparer pour un affichage qualification. On va regarder les positions des pilotes. On va se mettre sur Grégory, Benoît, Kevin. Hop là, Grégory. Benoît, il est où Benoît? Hop là, et Kevinus. Bon, il me semble que j'ai le temps de vous faire une petite blagounette, il me semble. Et je pense que celle-là, vous la connaissez pas, c'est Chuck Norris qui se fait attaquer par une loutre, un castor et un canard. Et je vais vous dire un truc, et c'est à ce moment-là précis que l'ornithorynque fut créé. Voilà, voilà monsieur, allez, celle-là est pour moi. C'est pathétique, je sais, mais je vous avais dit que j'étais en forme. Vous l'avez dit. C'est moyennasse, dirons-nous. J'en ai d'autres, mais ça parle de pute et vous voulez pas. Allez, c'est parti. C'est parti pour la qualification. Ah, enfin le tour expliqué. Ça, et ça vaut des points. Nous y voilà. Alors, vous êtes sur qui d'ailleurs?
ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le chat pour cette partie qualif. On est sur la voiture de Benoît, qui était leader, je crois. Tout à fait. Je me suis mis dans la voiture de Benoît. Mais, ou non, c'était Grégory. C'était Grégory, ouais. Ben, on va se mettre sur Grégory. Allez. On va laisser finir son tour de formation pour chauffer les pneus et nous allons commenter le premier tour en vue intérieure, évidemment. Trois pilotes, vous le voyez, sont en outlap pour l'instant. Trois pilotes qui risquent de faire les meilleurs chronos, en sachant que Kevin était quand même un petit peu plus loin en termes de chrono. On était à 7-8 dixièmes de moins, donc ce qui commence à faire beaucoup sur un tour. C'est ça, Grégory et Benoît qui se tenaient à un dixième. Mais vous m'avez dit que Kevin était covidé, c'est ça? Non, pas du tout, j'ai dit qu'il était rentré un peu chafouin et un peu fatigué. Il a la chiasse, voilà. Ok, d'accord, c'est la gastro pour Kevin, c'est noté. Ce à quoi je lui ai dit, bon, une petite descente entre les murs devrait te redonner un petit peu d'adrénaline, je pense. Donc il m'a dit oui, ou alors c'est le mur et je m'en vais au lit. Possible aussi. C'est ça qu'il m'a répondu. Oui. Il m'a dit c'est même plus probable ça. Donc non, mais je n'y crois pas. Kevin est un compétiteur et il n'ira pas chercher bien sûr le meilleur temps quand il est un petit peu derrière. Oh oui, et puis il va s'accrocher, je suis pas très inquiet. Oui, tout à fait. Allez, et on va arriver bientôt sur la ligne de départ. Et on va pouvoir commencer à voir le premier tour lancé de tous nos pilotes. Je vous laisse le micro, monsieur Tom. Et on est parti. On est parti sur la grille de départ avec une ligne droite relativement courte et un virage à 90 degrés au bout. Il s'enchaîne sur une très 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 grande ligne droite. Ligne droite où... on peut prendre l'aspi en GT4, il n'y en aura pas non plus des masses, mais c'est un endroit où on peut se placer. En sachant que si on reste sur la droite à l'intérieur du prochain virage, on est protégé. Un virage complètement en montée. On prend relativement rapidement. On continue à monter là, on est dans la récupération du dénivelé du circuit. Là, on continue à monter sur ce gauche, double gauche, assez lent, qui referme beaucoup. On accélère, à droite qui se prend à fond, un autre droite qui se prend toujours à fond. On est entre les murs, mais en GT4 ça passe relativement facilement. Ici ça se prend quasiment à fond, faut faire attention de ne pas glisser et s'exploser sur le mur à droite. Encore un virage à gauche rapide. Oh, je crois qu'il a perdu un peu de temps là-dessus, Yuri. La fameuse descente où on lâche tout. On met des petits coups de frein pour placer la voiture, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite. Des petits lacets qui sont magnifiques, des virages qui sont incroyables. Et le virage très très important, celui-ci, il conditionne toute la ligne droite. Si celui-ci est manqué, malheureusement, c'est 2-3 secondes de perdu sur le tour. Et là, une ligne droite à nouveau énorme, plein gaz, plein régime, où on peut à nouveau prendre de l'aspi et se positionner tout en bas dans une grande descente. Et le virage à gauche devant l'hôtel. Pareil, un virage qu'il faut relativement ralentir. Et nous arrivons sur le dernier gauche à 90 degrés sur la grille de départ. Et nous avons un Grégory qui vient d'allumer tous les secteurs en violet, me semble-t-il. On va voir le S3. Non. Ah si, il allume le S3 en violet. Il allume le S3 en violet. Ouais. Grégory qui prend le lead. Grégory qui fait une 14-430. Alors je vais vous afficher... Oups là, ça va pas pour moi. On va conserver cet affichage, mais je vais vous afficher en plus les temps de tous les pilotes. Meilleur tour, voilà. On a l'affichage de tout le monde. Grégory qui semble au-dessus ce soir quand même. Si on analyse les secteurs, Benoît avait perdu 2 dixièmes dans le premier secteur, avait perdu 2 dixièmes dans le deuxième, et malheureusement. Et Frédéric Raymond qui rentre en troisième position. Oh, Frédéric Raymond. Pas mal ça.
de 1593, Frédéric Brassac, 4ème, oh de 1562, Grégory qui améliore encore le meilleur secteur. Hein. Meilleur secteur, Benoît qui, Benoît qui a amélioré son meilleur temps. Par contre, Kevin. Kevin est passé en vert, mais il est loin. Hein. Kevin, il est déjà à 4 dixièmes dans le premier secteur, c'est compliqué là. Benoît est relativement serré, hein. On a un petit dixième pour. J'ai l'impression Benoît. Que Benoît arrive que Grégory pardon arrive à amener la voiture là dans cette descente. Il en fait ce qu'il veut, bah, quoi. Il la merde, glisse ou pas, et c'est énorme. Mais il a fait un deuxième secteur un peu moins bon. Ouais. Et Benoît Bibard vient de récupérer 4 dixièmes sur Grégory sur ce secteur. Eh bien, ça peut être tangent, il faut voir le troisième secteur, hein. Ça va être... Pour l'instant, Benoît est en full amélioration de son côté, Kevin améliore aussi, mais j'ai peur que Kevin soit un petit peu loin, là. On avait Kevin qui était positionné combien, là? Il est loin, Kevin, il est P7. Attention à Frédéric Raymond aussi, en embuscade juste derrière. Grégory, il le sait, hein. Grégory s'est loupé, il rentre au stand, c'est terminé pour lui. On va aller sur Benoît qui va finir son tour. Est-ce que Benoît va améliorer? Est-ce que Benoît va prendre la P1, dernier secteur de Benoît? Et non, malheureusement. Kevin qui prend la troisième place. Frédéric qui n'aura pas de deuxième tour de qualif. Et Kevin qui prend la troisième place en 2.15.110. Frédéric Raymond qui reste sur son 2.15.193 à la quatrième position. Frédéric Brassac, 2.15.432, cinquième. Frédéric Dranet, 2.15.556. On va laisser les pilotes finir. On ne va pas s'enflammer. 2.14.430 pour Grégory. 2.14.739 pour Benoît. Et Kevin, 2.15.110. Voici le podium, talonné de près par Frédéric Raymond, qui ne finira pas le tour. Il y en a Boris, Boris qui aurait encore loupé ses deux tours. Alors, est-ce que c'est tactique comme la dernière fois? Je crois pas. J'ai des off-track malheureusement pour Boris. J'ai des off-track malheureusement. Yvon qui n'a pas fait de chrono, si 1.18.094, Yvon pas très à l'aise sur cette piste. Et Jean-Jacques Théian qui se positionne en numéro 12 en 2.19.421, qui peut aller chercher Frédéric Raymond en 2.19.099. Ah, j'ai rien. On a Boris qui est reparti, je crois. Je crois qu'on a Boris sur la piste, on va aller se caler dans la voiture. Et il a peut-être encore la possibilité de faire Une 28, il reste. Ça va être non, marrant. Non, je pense pas. Je pense pas, malheureusement. Parce qu'il est en train d'analyser les courbes. Ouais, c'est possible. Et on avait encore Jean-Jacques aussi. Jean-Jacques qui va terminer. Ah, Jean-Jacques qui va prendre la X, malheureusement. Oh, c'est tout juste. S'il l'a pas pris, c'est tout juste, Jean-Jacques. On va vite le voir. Ah, Jean-Jacques qui s'arrête. P12. Et ça sera pas possible non plus pour Boris, à moins que c'était un tour lancé, celui-ci. On va quand même vérifier. On va quand même vérifier si Boris a réussi à faire un chrono, même quel que soit le chrono, il peut gagner 3-4 places. Il peut gagner beaucoup de places, il peut revenir sur Romain et entre Romain Thierry peut-être. Hein. Allez, et si ça passe pas là malheureusement, ça sera terminé pour Boris. Boris qui se place. Oui, entre Romain et je vous l'avais dit, entre Romain et Thierry. Eh ben voilà. Exactement. Nickel, nous allons pouvoir afficher la grille relativement rapidement. Hop là. Donc c'est nous parfait, avons 1, 2, 3 pilotes en 2.14 avec Grégory, Frédéric et Benoît, suivi de 1, 2, 3, 4, au moins 5 pilotes en 2.15. Kevin, Frédéric, énorme. Frédéric Brassac, Paul Virieux, Pascal Nirande. Tout ça, ça va être très très serré. Ouais, suivi encore en 2.15 de Thierry et Boris. Et enfin, nous avons Romain qui s'est peut-être loupé, donc les 2.15 sont atteignables. Fifi, Jean-Jacques et Yvon. Voici pour la grille de départ. Nous allons nous mettre. La grille est très serrée, finalement, très très serrée. Mais c'est toujours pareil sur ces circuits très techniques. Il y a moins d'écart entre les pilotes. À part les deux premiers qui semble-t-il,
pourrait se détacher, mais après le reste c'est quand même très dense et la moindre erreur coûte très cher et donc vous revenez très vite sur le pilote si vous en faites pas quoi. C'est toujours le suspense quand on voit pas de voiture sur la grille, c'est toujours rassurant. Et... Ah, vous les voyez pas? Non, non, c'est ce qui m'inquiète. Oui, mais parce que vous êtes en vue, machin, ouais, c'est toujours pareil. Vous êtes en vue cinétique, cinématique, là, je sais pas. Mais pourquoi quoi, je vois pas les pilotes là? C'est quand même bizarre, là. Je suis sur une vue d'épite et. Ok, bon. Je vous assure, ils sont là. Non, non, mais oui, je les vois en TV, hein, mais les caméras ne me les affichent pas. C'est quand même un peu particulier, j'avais jamais fait attention à ça. Allez, on va se mettre en, comme d'habitude, en vue hélicoptère pour le départ. Je vais me mettre sur. Allez. Pif pouf pouf plouf plouf sur Pascal Miranda. Allez, je vais sur Pascal Miranda pour être un petit peu au milieu. Pascal Miranda, rappelez-moi sa position, je vais le trouver. Où est-il? Pourquoi? Ah oui, 8ème, voilà, P8. Voilà, P8 sur 14, je pense que c'est plutôt pas mal. Je vais aller sur Thierry même, la cartouche. Allez, je vais sur la cartouche. Tac. Et c'est parti. Pour le tour de formation. Tour de formation où il y a eu des censé, directives. J'étais censé faire des directives, je crois qu'elles ne sont pas passées malheureusement. Je ne les ai point formulées. C'est vrai que j'ai oublié de faire ça. Mais regardez, je pense que le message est passé quand même. J'en connais un casse-couille qui a dû les faire chier pendant le... Je ne citerai pas de nom, ça commence par un Fred et ça finit par un Ous. Qui a dû leur casser les pieds en leur disant ouais vous faites pas ci, vous faites pas ça. Nous vérifierons ça après la course. Mais je veux bien vous croire. Nous vérifierons ça après la course. Mais regardez comme c'est propre. Et alors? Et ça va être parti, hein, ça va être parti direct. Ça va être parti direct. Malheureusement, juste c'est une derrière. Belle caméra de merde. Hop là, merci la caméra. Voilà, comme ça c'est pas mal là. Allez, on a Frédéric Dranous tout de suite. Frédéric voilà, Dranous, magnifique. Magnifique, oh Frédéric Dranous, c'est derrière Kevin qui raccroche les wagons. Incroyable. Et Benoît. Avons-nous eu des problèmes derrière? Non, tout le monde est passé. Allez, tout le monde est passé. C'est parfait. Attendre un peu sur cette on piste. On va regarder encore le premier tour en vue hélicoptère pour bien vérifier que tout le monde reste en vie dans ce premier tour. Ah, Kevin attaque tout de suite. Ouh là 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 là, ça va être compliqué dans ce virage. Attention messieurs, ça passe. De fumée derrière. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru que Frédéric Brassac allait doubler quelqu'un. Je me suis fait une frayeur. Heureusement, il s'est rabattu. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon cœur s'est mis à battre. Vous avez eu chaud là, vous mon avez cœur eu chaud. S'est mis à battre. Je tiens à vous dire aussi que vous n'avez pas rallumé le chat. Je vais le relancer. Tout à fait. Ah, grâce. Et derrière, c'est toujours propre. Ça a l'air d'être ok derrière. On va je pouvoir. Pense qu'on a un bon départ. Un beau départ. On va peut pouvoir le dire. Passer sur la tête du, la tête alors, de la course là. Ouais, avec, ouais. Mais parce que là, ça va commencer à chicaner dans les chicanes. Je vous le dis. Ça vient de toucher. Benoît vient de toucher. Ça a juste frotté, je crois. Je le vois continuer. Tranquille. Pour l'instant, tout va bien. J'ai l'impression que Grégory est déjà en train de. Oh là là, Dranous! Oh là là, Dranous a touché aussi. Un peu plus, je crois, malheureusement. J'espère pour lui que la voiture n'est pas trop abîmée. Allez, ça a l'air d'aller pour tout le monde. Quelques petits slowdowns. Oui, c'est de ce que je regarde. Là, ouais. Mais très honnêtement, voilà, la première descente est celle qui met des palpitations dans le cœur au maximum et ça s'est bien passé. Nous allons un peu reculer. Là, ça a l'air de bien se passer dans le petit groupe. Hop, allez, on va s'afficher. On va s'afficher toutes les informations nécessaires à la bonne compréhension de la course, les intervalles. Et là, on a déjà une belle bataille avec Frédéric Raymond, Pascal Mirande. Attention, c'est parti, Pascal c'est qui se décale. Pascal qui est timide. C'est une intimidation, c'est tout. Et Frédéric, Frédéric derrière. C'est Boris, on a un petit groupe de 4 là. Là, ça va. 4 et presque 6, attention. Regardez qui le retrouve derrière. Regardez qui retrouve derrière. Regardez ça. Paul et Romain repartis pour une bataille de l'enfer. À mon avis, cette course encore, il y va, Romain.
mais Paul intelligemment reste à l'intérieur. Ça devrait passer, hein, ça devrait passer pour Paul. Il va conserver sa place, Romain. Ouh, Romain, 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 attention, sous-virage, ça passe peut-être pour Romain. Et... il a gardé la place. Oui, 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 je ne suis pas sûr, il est. Oh là là. Qui me placé. Oh, sur magnifique, la montée. Magnifique. Allez. Romain, magnifique. Ah, au dépassement. Magnifique. C'est très ça, c'est très beau. Bien joué, Romain. Et la cartouche qui vient de retourner. Les deux pilotes. Ils viennent de recouler. Thierry Roca qui vient de recouler. Alors qu'en tête. Oh, en tête, c'est pareil. Là, on a une. On a, à mon avis, quelque chose qui va se passer entre ces deux pilotes. On va se mettre en vue intérieure de monsieur. Bibard qui, c'est chaud partout, hein. Qui est en chasse totale de Frédéric Dranous, qui malheureusement n'arrive pas trop à suivre le tour de le rythme pardon de Grégory. Et si Grégory continue à s'échapper à cette vitesse, il le sait, Benoît. Benoît, s'il double pas vite Frédéric maintenant, il va perdre 5-6 secondes et jamais il va rattraper Grégory. Ah, sur Grégory, ça va être très compliqué. Donc je sens que Benoît là, Benoît sait que c'est maintenant. Il faut y aller maintenant, sinon ça va être très compliqué. Avec malheureusement la speed de la GT4 qui est pas fameuse du tout. Regardez, ça revient, mais c'est toujours un peu compliqué. C'est toujours un peu compliqué. Allez, là il y a un coup à jouer. Grégory n'en allait pas. Mais belle. C'est maintenant là. Premier tour de Fred. Il y a un coup à jouer ici. Allez, si on ressort mieux que Dranous. Alors qu'on allez, il ressort mieux. Il va y aller, il va plonger, il va y aller. Ah là là, ça défend pour Fred, ça défend sévère pour Fred. Fred qui s'est mal placé du coup, il va se faire décroiser, Fred. Ouh, ça va être chaud. Il va se faire décroiser. Allez. Et Fred qui reste intelligemment à l'intérieur, il sait que c'est la bonne position. Mais ça fait les affaires de Grégory. Grégory qui s'envole, 2 secondes 5 déjà pour Grégory. Ah, il faut plus lâcher Benoît maintenant. Alors que Benoît vient de passer. C'est bravo. Bien fait. Frédéric a fini par craquer. Mais... oh là là, Frédéric, oh là là. Attentat de Dranous. Qui essaie de tuer. Ça passe. C'est un attentat. Je ne veux pas le savoir, on a tout vu. Ça passe. Attendez, c'est très difficile dans cette portion. Il a essayé de le tuer, tout simplement. Il faut voir les choses en face. Et du coup, c'est Kevin qui fait la bonne affaire dans cette histoire. Bon, Grégory a quand même gagné 3 secondes. Du coup, en 3 tours, malheureusement, ça va être chaud pour Benoît. Frédéric Raymond qui s'est un petit peu détaché du groupe. Il est où, Pascal, Frédéric Brassac et Boris. Ah oui, Frédéric Raymond qui remonte au groupe de tête, effectivement, alors que le groupe, le petit groupe, entre guillemets... Frédéric Brassac, Pascal Mirand et Boris se tiennent toujours. Alors, on va regarder le petit groupe. Ah, ça c'est... Boris, ouais, c'est... Peut j'ai... aussi, ouais, hein, j'ai pas l'impression qu'on soit dans des positions d'attaque pour l'instant. Non, mais ça se suit et ça fait l'accordéon comme on a pu voir sur les courses précédentes. Et attention, Frédéric Brassac qui commence à mettre un peu de pression à Pascal. Oui, mais vous connaissez les deux compères. Pourra-t-il entre monsieur Pascal Mirand qui laisse passer personne et monsieur Brassac qui ne veut doubler personne, là on a un combo qui peut durer comme ça pendant plusieurs jours. C'est incroyable. Des courses d'endurance. Ah oui, on peut laisser ces deux pilotes dans cet ordre-là pendant des années. Ils ne se doubleront jamais. Et je connais la réponse de Pascal qui dirait à Fred, t'as raison, tu conduis très bien Fred, ne me dépasse pas, c'est parfait. Voilà. Là, t'as vu que j'étais bien positionné, tu l'as vu. On connaît le Pascal le vicieux, comme on l'appelle dans le jargon. Mais malgré tout, allez, je crois en Frédéric Brassac, moi. Parce que vous, vous n'y croyez pas, mais moi, je regardez, crois en Frédéric Brassac. Regardez, on a dû je louper quelque que... chose. On a dû louper quelque chose, ah, puisque... je vous en prie. Puisque Romain se retrouve à nouveau derrière... Et derrière Paul qui vient de passer. Et oui. Non, je crois que c'est plus vieux que ça. On l'a loupé tout à l'heure, mais là, on a une belle bagarre, à mon avis. Je vais remettre au ralenti le dépassement... de Paul. Oh, c'est une erreur. Non, ce n'est pas un dépassement. C'est une petite erreur de Romain qui a loupé son virage, effectivement. Et c'est le virage à ne pas louper. C'est le virage. Sur la ligne droite, là, on perd un temps fou. Mais ceci dit, il y a de la bataille partout. Dans cette course, on ne sait plus où donner de la tête. Hein, je vous le dis. Boris qui essaie de recoller Frédéric Brassac et Pascal Mirand, mais il a un peu de mal. On a un autre combo aussi, hein. Là on a un autre combat, c'est le combat Lambert Dranous.
Hein, Kevin qui vient de perdre un peu. Là. Je sais pas s'il a fait une tentative, mais il était à 2 dixièmes. Mais là, il a perdu un petit peu. Oh, Romain, on va revenir sur Romain. Là, ça a l'air chaud. Hein. Je vous rappelle que la course fait 50 minutes. Donc, il y a le temps quand même d'éprouver les pneus et de prendre cette descente plusieurs fois. Ouh, une sortie de Kevin Lambert. Oh là là, mais ça va. Il s'est rattrapé. Là, revoyons ça au ralenti. Voyons ça au ralenti. Le coup de la tondeuse. Le coup de la tondeuse, messieurs. Ah, il est sorti un peu large. Oh, c'est le vibreur qui l'a. Ah, le vibreur. Oh, le coup ça de va, la tondeuse. Ça va. Non, c'est pas là, c'est pas là. Du tout, c'est après. C'est pas là. C'est après. Oui, je pense. Je ne sais plus. Oui, ça doit être là. Le oui, coup oui, de la oui, tondeuse. Oui. Oh, non, toujours pas. Du tout. Non, c'est pas là. Mais je vous assure qu'il a fait le coup de la tondeuse. On ne saura pas où. Je crois. C'est pas grave. Allez, hop, revenons au live. Ce n'était pas intéressant. Et merci de cette intervention. Non, je vous assure que c'est vrai. Et du coup, il a perdu beaucoup de temps. Monsieur Tom, attention. Qui a dû encore sauter. Ouh, la cartouche. La cartouche qui est bien placée. Bien, Romain, il résiste. Bien, hein. Oui, Romain qui résiste. Ouais, là, on a un Romain qui est très résistant. Je suis allé un peu loin là, dans la bataille, là, je crois. Voilà. C'est chaud entre les deux pilotes là. Ouais. Là il va se passer quelque chose, c'est allez. Sûr. Allez Thierry, il faut bien prendre le virage et relance mieux. En relançant mieux c'est possible. Thierry très propre quand même, un pilote propre. Allez, un petit peu d'aspi, ça fait pas de mal. Même si c'est qu'un petit peu. On la prend. Ah non, ça sera pas un meilleur virage que Romain qui assure sa ligne droite. Là il y aura pas de souci pour Romain. Alors, qu'avons-nous comme bagarre autre que ça? Kevin a lâché, hein. Fred Raymond s'est rapproché du coup. Eh oui. Kevin a lâché, vous voulez pas me croire, mais non, il a roulé dans l'herbe. Ça fait pas perdre 7 secondes de rouler dans l'herbe. Ah écoutez, il a roulé dans l'herbe. Non mais ça fait des affaires de Fred Raymond, ça. Ouais, des affaires de Fred Raymond qui recolle au groupe, et ça pour le moral c'est bon de recoller à ce petit groupe. Frédéric Raymond qui était parti dans le groupe de derrière avec Pascal Miranda et Frédéric Brassac et qui les a littéralement déposés sur place. Puisque si on fait le tour des meilleurs chronos chacun, pour l'instant on a Grégory qui est largement devant. Et dans le petit groupe de bataille là on a Benoît en deux et c'est quand même Kevin qui tient le troisième. C'est Kevin qui est troisième. Non, Kevin est deux. En meilleur chrono. Non. 2-14-700. Pour Grégory, 2-14-300 pour Benoît. Donc Benoît. J'ai pas le 14 moi pour Benoît. J'ai un 2-15-252 pour Benoît en meilleur temps. J'ai un 2-14-319, le meilleur temps. Et regardez, vous avez la petite pastille violette, ce qui nous permet de dire à nos téléspectateurs de voir le meilleur temps. Donc c'est bien sûr Benoît Vivard en 2-14-319. Je vois les chronos et après effectivement c'est Kevin en 2-15-110. Non, Grégory en 2-14-729 et Kevin qui vient s'intercaler là juste en 3. Ah, donc en 3, oui, 2-15. Ah oui, écoutez, je vous ai mal compris, mais on est bon alors. Là, on est bon. Fred Raymond qui roule plus vite que Darnous. Hein, donc. Alors qu'on a un crash malheureusement de Jean-Jacques, revoyons tout ça au ralenti. Ah, dans les S évidemment. Ah, dans le dernier virage, ça va frotter. Un peu large, ouais. Oh là là. Aïe. L'accompagner et se rayer que le côté. Ça va être dur pour Jean-Jacques. Est-ce qu'il fait un fast repair ou pas, Jean-Jacques? J'espère. Ah, il y a droit. Il y a towing, à mon avis, malheureusement. Il y a towing pour Jean-Jacques et je pense que Jean-Jacques abandonne. Eh oui. Jean-Jacques abandonne malheureusement. Bien peur, hein. Une piste meurtrière, comme on peut dire. Une piste qui ne laisse rien passer. Et effectivement, quand on commence à toucher, ça va être compliqué parce que le towing est très long en plus sur cette piste. Allez, reprenons les écarts. Donc, on a un Benoît qui fait l'effort pour essayer de revenir, j'ai l'impression. Plus que 2 secondes d'écart entre les deux premiers. Donc, c'est pas mal là ce que fait Benoît. Mais il roule quand même dans les mêmes chronos. 2-14-514 et 2-14-1580. Il revient quand même, il gratouille. Derrière. Est-ce que ça se réchauffe un petit peu derrière? En tout cas, un début de course sur
Sur les chapeaux de roue, comme Kevin, on dit. Kevin est en train de revenir. Hein. Kevin est à plus d'une seconde, il revient. Donc là, Kevin, pour moi, fait le forcing pour essayer de... Il y aura bataille entre Kevin et Frédéric. Oui, hein, je pense. Frédéric Raymond aussi sera là-dedans. Quand ça va commencer à batailler entre les deux devant, Frédéric Raymond va en profiter, c'est une certitude. Ouais. Alors, les images incroyables dans cette descente de l'enfer. Ce circuit est magnifique. Ah, touchette de Kevin. Kevin a envie. Hein. On sent que Kevin a envie. Hein. Un peu trop envie, même. Il faut qu'il se méfie, Kevin. Oui, il faut qu'il se méfie. Ça peut coûter cher. Ça peut coûter cher. Et j'ai un tour en 14 pour Fred Raymond aussi. Ah non, mais là, le groupe de 3 est serré. C'est vraiment Fred Dranous qui... Pour moi, c'est Fred Dranous qui roule le moins vite dans le lot. Hein. Il est en... J'ai du 15-432. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Sur ton best, tout à fait. Donc, potentiel. Romain, Thierry qui passe Romain. Oh, voyons ça au ralenti. Et je suis entièrement d'accord avec vous parce que sur le last, il est en 2.15 alors que les deux autres sont en 2.14. Voilà, pour finir sur Frédéric et les autres. Ah, ça va passer. Ah, cette grande ligne droite, c'est bien joué Thierry, c'est bien. Il met un peu de pression et il garde la position. Superbe. Ah, c'est beau. Superbe. Encore une cartouche. Et Benoît qui claque le meilleur temps à nouveau. Donc Benoît qui cherche vraiment... Il cherche la position. Benoît cherche à revenir. Allez, ça commence à se préciser là pour Kevin. Et Benoît vient de prendre 2 dixièmes à Grégory. Hein. Oui, ça remonte. Oh, ah, mais je vous l'ai dit, Frédéric Dran là est peut-être un petit peu en surconduite parce qu'il est en 2.15 et les deux autres sont en 2.14. On va suivre ce petit groupe là. On va suivre ce petit groupe parce que là, à mon avis, il va se passer des choses. Ouais, comme tu dis, Alex, ça s'est serré. Très bizarre quand même que Frédéric Raymond soit un petit peu observateur de la bagarre. Alors qu'on a Boris qui a passé Monsieur Brassac, comme c'est bizarre, Monsieur Brassac qui s'est fait doubler, dis donc. Dites-le-nous. Ah, regardez, Frédéric Brassac qui a tenté un dépassement. Oh mon Dieu, il a tenté un dépassement, il a été puni. Ah bah là c'est bon, il ne redépassera plus jamais de sa vie. Et là c'était sûr. Il a tenté, il a loupé, c'est fini. C'est fini. Avec un P2 pour Pascal et P3 de prise pour Boris, plus 3, plus 2. Plus Boris qui s'infiltre, hein, oui, Boris qui s'infiltre dans le classement. Et on a un Pascal qui était à moitié sur l'autoroute encore il y a 20 minutes, qui est P6. Incroyable, Pascal, incroyable. Il était sur la piche, on peut le dire. 3 jours de séminaire, on est un peu crevé. Non, Brassac n'a pas été lâché, il est toujours là, donc ça va bien se passer pour ce petit groupe. Non, Fred va y être, il se prend de la bonne. Fred Raymond est en train de lâcher un petit peu, là. Allez, on va voir si Kevin est capable d'attaquer maintenant. Je vais me mettre sur Fred Raymond qui fait toujours la petite erreur qui malheureusement, va pas pour... Malheureusement, vous voyez. On avait le syndrome sur cette dernière course de Fred Raymond qui revenait. Exactement. À chaque fois, il était plus rapide et finalement, il faisait la petite erreur qui le pénalisait. Ouais. Alors qu'on a un Benoît Bibard là qui a repris encore 3-4 dixièmes sur Grégory, c'est impressionnant. Là, Benoît, il est en forcing total, il cherche mais à revenir Benoît sur Grégory. Benoît, à mon avis, va pas... alors, j'ai pas les images de Benoît et de Grégory, mais je pense que... Parce que là, on est à quoi? 1 seconde 7 1 seconde 6. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a quand même 50 minutes, enfin un peu moins maintenant, il nous reste, je ne sais plus. Yeah, mais Kevin qui... Non, Kevin, ça ne passe pas, ça, malheureusement. Oh là là, il propulse Frédéric sur l'extérieur. Et Fred qui passe, Raymond. Bien sûr. Ah là, Kevin, il va en profiter deux fois, je pense. Regardez, il en profite deux fois. Oh là là, Fred Raymond, je l'étais sûr. Oh là là, il tente Fred Raymond, c'est chaud. Ah, ça, c'est de la bataille de GT4. Là, ça frotte les portières, c'est incroyable. Ne comptez pas de voir dans les rétros, il n'y en a plus. Il n'y a plus de rétro, messieurs. Allez, et attendez, regardez, il n'a pas dit sa dernière. Attention, Frédéric Dranous ne va Dranous pas se laisser qui n'est pas faire content, comme ça. Il n'est pas content parce qu'il s'est fait pousser à l'extérieur. Malheureusement, Kevin a tenté un dépassement un peu cavalier. Il n'a jamais réussi à tourner et il a poussé Fred sur l'extérieur. Il faut que Fred analyse que ce n'est pas Frédéric Raymond qui a fait ça. Attention, allez, pas trop de fougue sur Frédéric. C'est aussi la course, allez. La poussette, c'est la course. Allez.
En même temps, si on analyse un petit peu les temps, c'était celui qui allait le moins vite. Tout donc à fait. Ça fait mal par contre. Alors là, par contre, je crois que Fred a cassé la voiture. Non. Ah si, là c'est arrêt au stand, Fred. Je pense qu'il a cassé la voiture. On va vérifier l'état de la voiture sur le côté. Non. Ça pourra lui faire une excuse, mais pour moi ça justifie pas. Non, il a pas touché. Si, l'arrière droit. Si. Oui, l'arrière droit est touché. Aïe. On va vérifier tout de suite si Fred Dranous décide de s'arrêter. Est-ce qu'il va faire un pit ? Allez. Regardez à l'arrière droit, c'est un petit peu abîmé. Est-ce que la roue est pliée ? Elle est voilée ? Je ne sais pas. Il s'arrête pas. Je pense qu'il considère que ça passe encore cette histoire. Mais attention, parce que derrière c'est chaud. Derrière c'est chaud. Et oui, derrière c'est très chaud là sur ce petit groupe. Et Boris qui va tenter sur Pascal. Oulala. Ah, c'est chaud derrière, c'est chaud devant. Je vous le dis, c'est chaud partout. Frédéric Raymond qui est quand même là en train de faire la chasse à Kevin Lambert. Un nouveau dépassement de Thierry Rocca qui est on fire. Thierry qui a doublé deux personnes. Thierry, c'est beau ça. Thierry qui double Paul. Thierry qui remonte au classement là. C'est magnifique ça. Et passe et magnifique Paul. Magnifique Thierry. On a un moins 3 places pour Frédéric Dranet qui doit ronger son frein, comme on peut dire. Là, pour le coup, c'est pas sa faute. Le problème dans l'histoire, c'est que c'est lui qui est le moins rapide. Et je pense qu'il va avoir beaucoup de mal à recoller, malheureusement, ses deux compères devant. Parce que si ses deux compères ont décidé d'accélérer et rouler en 14 constant. Ça peut lui faire un bon lièvre pour assurer encore une fois une quatrième position qui est pas dégueulasse quand même au championnat. Tout à fait. Après, connaissant Kevin et Frédéric Raymond. Oh là, Frédéric Raymond qui s'est loupé. Il s'est loupé dans les S, ça va permettre à Dranous de recoller. Voilà. On n'est pas à l'erreur d'une erreur. Malheureux. On n'est pas à l'abri d'une erreur. On n'est pas à l'erreur d'un abri, tout à fait. Non mais par contre Frédéric Raymond, il doit vraiment corriger ses petits défauts là, ça le pénalise énormément et à chaque fois c'est des micro-erreurs qui malheureusement le. Ouais, bien sûr. Voilà, le pénalise énormément, c'est compliqué. Hein. Alors que sur le devant de la course, Grégory Jarret est toujours devant, Benoît Vivard toujours derrière, a réduit un petit peu l'écart en 1-3. Ça se rapproche, oui. Mais il y a encore un petit peu de gap. Oui, il y a encore un petit peu, mais pour l'arrêt au stand, c'est important d'être collé. Pour l'arrêt au stand, c'est extrêmement important. Il peut tenter un undercut, il peut tenter quelque chose. Donc c'est très intelligent ce qu'il fait Benoît. Benoît roule plus vite que Grégory. Je suis d'accord, on est d'accord, il est mieux. Il vient de prendre, rappelez-vous, on était à 1-7. Et il vient de prendre, là il est à 1-1. Donc il vient de prendre 6 dixièmes sur Grégory qui doit sentir quand même l'image se rapprocher dans le rétro. Et donc il doit se poser des questions. Donc derrière on a le groupe avec Boris et le groupe derrière avec Thierry. Ah on a une course relativement serrée quand même. 3 et 3 derrière. Regardons ça en vue hélicoptère, mais on a quand même un groupe, on a des petits groupes, on a des petits pelotons. On a des petits groupes de 3. Oui, on a des petits groupes de 3 à chaque fois. Frédéric Dranous qui malgré tout arrive à tenir. Ouais, allez. Regardez à nouveau. À nouveau, on a Frédéric Raymond qui refait son retard. Jusqu'à la prochaine erreur, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire exactement. là, il roule aussi vite, voire plus vite que Kevin. Donc, il arrive à le remonter. C'est quand même pas mal à chaque fois ce qu'il fait Fred. Hein. C'est juste, il faudrait vraiment gommer ses petits défauts, quoi. Fred là dans les pieds, il fait toujours la petite erreur et puis ça doit lui mettre de la pression en plus derrière parce que Frédéric Dranet ne lâche rien derrière et se rapproche de lui dès qu'il fait une erreur. Donc c'est toujours compliqué de conduire avec la pression de l'autre et il y arrive en plus à ça. Il y arrive sauf que il y a toujours une petite erreur qui fait que regardez comme il est proche là. Là, c'était beau. Là ça y est, hein, j'ai l'impression que ça accélère devant et que Frédéric ça va être difficile. Difficile pour Frédéric, il a 1 seconde 3, il a perdu le groupe, on a plus la spi. Là ça va être compliqué, hein. Il faut s'accrocher.
Allez, on va revenir sur le... Avec un Pascal très loin de Frédéric Drané. Il peut replonger dans un no man's land, Frédéric Drané, malheureusement. Regardez ça, c'est intéressant. On est sur Fred Brassac. Autant pour moi, je croyais que c'était Thierry. Non, Thierry est encore un peu plus loin. Je pensais que Thierry avait déjà recollé. Mais il est plus si loin, Thierry. Il est plus si loin de ce petit groupe. Ça serait bien que les trois se regroupent. Ça serait superbe. Alors que Pascal, Benoît, le clou. Regardez. Regardez Benoît, 6 dixièmes. Benoît enfonce le clou encore avec un meilleur tour. Rapproché. Ah, il enchaîne les meilleurs tours. C'est impressionnant. Là, il est à mission commando, j'ai envie de dire, parce que là, il est très très proche. Attention Grégory. Je pense que là, t'as du souci à te faire. Hein. Regardez comme c'est proche. Vous rendez compte comme c'était il y a un tour. Oui, c'est impressionnant. Vous rendez compte? C'est impressionnant. Là, c'est quelque chose de fabuleux. Ouais. Benoît là, Benoît, il commence à imposer son rythme. Et c'est son rythme de deuxième qui risque de passer premier. Moi, je vous le dis, c'est lui qui impose le rythme. Et il impose même le rythme à Grégory. Hein. Ça, c'est sûr. Incroyable. Allez, on va suivre la descente. Il n'y a pas à faire. Hein. Il est plus rapide, hein, Benoît. Ah, c'est par impressionnant. Par contre, doubler, ça va être compliqué. Moi, je pense un tour de plus, il peut l'attaquer sur la ligne droite ou même peut-être à ce tour. Regardez. Non. Ça risque d'être un peu loin. Il est bien sorti, Grégory, là-dessus. Ouais. Et là, la spi sera pas suffisante. Il va se rapprocher. Peut-être le tour prochain, hein, mais à suivre parce que ça va pas rester comme ça. Hein, après, c'est toujours pareil. Est-ce que Benoît a intérêt d'attaquer tant que les arrêts ne sont pas faits? Je suis pas sûr du tout. Est-ce qu'il faut pas rester collé? Il est bien au chaud. Est-ce qu'il vaut mieux pas tenter de doubler après les pits si jamais il se retrouve derrière? J'ai envie de dire, ça dépend des pilotes. Kevin dirait, faut doubler quand on peut doubler. Mais effectivement, Benoît, peut-être plus stratège, peut juste faire la course derrière, sachant qu'il en a sous le pied. Et poser l'estocade quand il faut la poser, oui, bien entendu. Et nous avons quand même un Pascal Miranda et un Boris. C'est très chaud. Boris se décale. On a eu du dépassement. Revoyons ça en replay. On a Fred Raymond qui attaque Kevin sur la ligne droite en replay. Regardez. Oh là, incroyable. T'es beau. Et ça va Kevin tenir à l'intérieur. Pour Kevin. Ouais, tout à fait. Et je me demande qui vient si... défendre. Si derrière, je crois que derrière. On va regarder un petit peu plus. Parce que je crois que Fred Ranous en a profité, non? Oui, moi, oui. Je vous dis, c'est chaud entre Pascal et Boris hein, aussi. Hein. Pascal et Boris, ça se tire la bourre, ça s'intimide, ça montre le museau, ça n'y va, ça y va pas. Mais très honnêtement, c'est tendu de chez tendu. Alors qu'ils sont J'ai un souci avec Fred Raymond. Dites-moi. Eh ben, on a perdu Fred Raymond et j'arrive pas à trouver où, malheureusement. Fred Raymond est au pit. Fred Raymond est sorti maintenant des pits. Il a fait un arrêt ou pas? J'ai pas les arrêts au stand. Je suis obligé de dire que oui. En 20-09 et 43-6 Je comprenais pas ce qui s'était passé avec Fred Raymond. D'accord, je comprends. Alors mieux. Qu'on a un Frédéric Brassac qui s'est arrêté en 18-2 au lieu de 20-09 contre Frédéric Raymond et 44-8. Par contre, alors voyez, il s'est peut-être arrêté avant aussi, hein. Ou après, parce qu'il en a mis moins, mais il a mis plus de temps à sortir. On aura un arrêt, un bon arrêt sera un 18 comme Frédéric Brassac, mais peut-être c'est Binossac qui a dit de pas mettre quand même le nombre de litres nécessaire. Ça fait les affaires de Thierry. J'ai l'impression que Thierry du coup s'est rapproché un petit peu de Fred Brassac dans l'histoire. Ça va faire peut-être les affaires de. À vérifier. On va suivre les arrêts, s'il vous plaît, hein, monsieur.
Suivez bien les arrêts parce que je ne les ai pas du tout. Je vous dirai, attention, Boris s'arrête. Boris s'arrête qui était au cul de Pascal Miranda. Alors, Boris qui va rentrer. Voilà, Boris qui vient de rentrer, qui était en P6. Allez, c'est parti pour Boris. Le décompte est parti. Attention, on a aussi Romain qui vient de s'arrêter. Pas du tout, c'est pas Romain, c'est Paul. C'est Paul qui vient de s'arrêter. Boris et Paul qui sont au stand. Allez, c'est parti pour le décompte. Je vais vous dire ça de suite, monsieur Tom. Je vous laisse suivre le reste. Allez, c'est parti. Attention. Allez, on est à 20 secondes. 26, 30, 8 et 13, 13, 15, 16. Ça repart, allez, faut partir. Boris. Voilà, 17, 5 pour Boris. C'est pas mal, très bel arrêt. Mal, oui, c'est pas mal. Très bel arrêt pour Boris. Boris qui va repartir juste derrière Fred. Et oui, on a un arrêt de Paul en 20. Ouais, ouais. Boris a fait un super arrêt. 41,9 total et 44,8. 43,2 pour Paul avec 20,02 pour le rechargement. Mais meilleur temps dans les stands pour Boris aujourd'hui, 17,5, enfin pour le moment en tout cas, 17,5 et 41,9 au total. Voilà, on a gagné 4 secondes, on a pu gagner dans les stands pour le moment. On va voir les autres. Qui sont toujours en course, et on pense bien sûr à Grégory Jarry, Benoît Vibard, Kevin Lambert, qui ne se sont pas arrêtés. Du coup, la bataille entre Boris et Pascal, de fait, n'a pas eu lieu jusqu'au bout, mais ces deux pilotes devraient se retrouver dans pas longtemps. Voilà, je vais en profiter pour faire une petite manip. Hop là, parce que visiblement il me manque quand même beaucoup d'informations. Alors que nous avons toujours Grégory Jarry qui mène cette course, j'ai envie de dire d'une main de maître, mais d'une main de maître plutôt tremblante, parce que Benoît Vibard quand même, mais commence à lui dire que ben, il est là, il est en train de revenir. Kevin Lambert distancé par les deux premiers. Frédéric Dran qui commence à être distancé aussi par Kevin Lambert. On va avoir l'arrêt entre les deux pilotes là qu'on est en train de suivre. Hein. Ça Pascal va être, Miranda dans le No Man's Land. Tout le monde va s'arrêter de toute façon. Ça va être très intéressant à suivre. Voilà, Frédéric Raymond qui s'est déjà arrêté et déjà P7. Attention. En 20 secondes 9 et 43,6 au total. Et nous avons, attention, nous avons un arrêt Yvon Danzé. Je vois Yvon, ça y est, je vois Yvon dans les stands, voilà, effectivement. Voilà, tout à fait. Un seul ou à plusieurs, mais Yvon Danzé ce soir, c'est sûr. Donc Yvon qui joue une P12, je pense. Allez, un arrêt pour Yvon, je vous laisse commenter le reste. Je suis en train de regarder le combat de tête. Le combat de tête entre les deux pilotes qui est assez intense. Et 17-6 pour Yvon et 40.2, ouais, très bel arrêt. Très bel arrêt, deuxième arrêt après celui de Boris. Paul qui s'est craché. Un arrêt extraordinaire. Je crois que Paul s'est craché. Voyons ça au ralenti. Qu'a-t-il fait? Oh là, il perd l'avant. Oh là 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 là, ah, l'arrière est venu tout gentiment, là là là, malheureusement. Ah, ça fait mal. Il s'était déjà arrêté, Paul? Est-ce que Paul s'était arrêté? Paul s'était déjà arrêté, tout à fait. Ah, tout ça c'est la catastrophe. Ça va faire mal. Voilà, ouais, ouais, ça va faire mal. Et ça se suit, regardez-les. Et tout à fait, regardez les deux leaders, premiers. Les leaders, Grégory, sont là. Benoît. Les Allez, leaders c'est sont là. Comptes. On va regarder qui va partir en premier. Ah, ça va être intéressant, ça. Regardez. Ah oui, oui, oui. Donc, Grégory est rentré en premier. Benoît l'a suivi. Hop, et Kevin et Frédéric. Allez, 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 allez. Et Pascal qui vient de s'arrêter. Allez, on y est presque. Il n'y a plus que Romain qui ne s'est pas arrêté. Alors, qui part en premier sur le groupe de tête?
Ah, Frédéric Dranous qui est assez loin. Et c'est reparti. Et non, il n'y aura pas de changement de position. Grégory est même mieux sorti. Grégory est même mieux sorti. Ça fait 42.5 pour 43.9. Il a perdu une petite seconde, Benoît, dans les stands. Il a perdu une petite seconde. Allez, tout le monde est rentré au stand là maintenant. Là, allez, c'est il a perdu, chaud, pour moi, il a perdu une seconde, Benoît. Allez, dans ça les y est, c'est parti. C'est parti. Est-ce belle que vous arrêt. La même chose que moi. Frédéric Drané, comment vous... Oui, une seconde de perdu oui, entre Grégory 42. Et Benoît, 5, 43.9, tout à fait. Tout ouais. à fait. Et nous avons un bel arrêt en 17.9, pardon, pour Frédéric Drané. 19.4. Oui, Frédéric Drané qui recolle du coup. Et Frédéric Raymond, regardez. 5.9, mais il avait déjà pris son arrêt. Oui, mais regardez le qui malin. C'est derrière. Le malin. C'est Boris qui a gagné beaucoup dans l'histoire. Boris a dépassé Pascal en s'arrêtant plus tôt. Boris a fait le second arrêt, le second meilleur arrêt, hein, Boris. Attention. Ouais, Boris, il a fait un superbe undercut là, Boris. C'est très alors, bien. Je vois qu'il retourne à l'instant, je pense que... Ah oui, bah là, ça sent le... Oui, ouais, c'est l'action qu'on a vue avant, malheureusement, je crois que... Mais Paul qui a tapé aussi, malheureusement, donc... Donc là, c'est presque course terminée, j'ai envie de dire, pour les deux là. Et Romain aussi, tu Romain, non, Thierry Roca est derrière Frédéric Brassac, mais il est beaucoup plus proche. Les arrêts ont permis à Thierry de se rapprocher de Fred Brassac qui va pouvoir l'attaquer. Attention, Frédéric Raymond a fait un super arrêt. Boris et Frédéric. Oui, c'est Frédéric pour fait le fait meilleur. La grosse... Non, Frédéric a fait le meilleur arrêt en 41.8 au total pour 41.9 de Boris. Mais Boris a fait. Boris a fait le tour d'après. Et ouais. Boris a gagné du temps dessus. Et c'est pas sur le. Je pense que c'est pas sur le l'arrêt au stand même que Boris a gratté, c'est sur le tour en plus. Ouais. Il a dû forcer un peu plus. Ouais, tout à fait. Et du coup c'est bien joué. Et on a un Boris qui gagne 4 places dans cette course. Hein. C'est extraordinaire, hein. C'est le seul à gagner énormément de places. Mais ça va se redistribuer. Non, plus du tout. Nous sommes dans la course, excusez-le. Alors, la cartouche, qu'est-ce que nous fait la cartouche? Ah, est-ce que Thierry va y aller ou pas? Non, je crois pas qu'on y soit pour l'instant. Est-ce que Frédéric... Ah non, Frédéric, malheureusement, ne recolle pas sur... sur Kevin. Il est une bonne seconde et demie, ça va être difficile. Fred Raymond est assez loin quand même. Oula, il y a dû avoir une petite bisbille entre. Écoutez, je vais peut-être annoncer les attendez, attendez, Grégory. Attendez, on a eu une petite bagarre. Petite bagarre, on s'est échappé. On était dessus. Et on l'a loupé, regardez. Ah mais voilà, la ligne droite, hein. Et là au frein. Ah c'est bien joué, c'est propre. C'est propre, c'est chaud, mais c'est propre. C'est bien maîtrisé, c'est bien maîtrisé. C'est bien. C'est magnifique ce que font les deux là. Et malheureusement, je crois que nous avons loupé aussi le crash de Fifi. Est-ce que Fifi, il va tout froisser. Ah non. Il a pas fait que frôler. Ah malheureusement. Je pense qu'il est arrivé trop vite. Aïe. Ça c'est dur. Alors qu'on revient en position de tête, on a... Oups là, autant pour moi, je suis pas en live. En tête, nous avons à nouveau le combat des chefs. Le duo, Grégory et Benoît. Tout à fait. 14 369. Et cette fois Benoît, il va falloir y aller, hein. Mais Benoît va y aller, hein. Maintenant il n'y a plus le choix, hein. Il n'y a plus le choix. Si Benoît veut jouer son championnat de manière allez, on va se mettre en vue intérieure sur Benoît pour le combat. Ah ouais, c'est beau. C'est le top course. On y est. Frédéric Raymond qui est 5ème, Frédéric Drané 4ème, Kevin Lambert 3. On a encore un combat, désolé, mais on a encore un combat incroyable. On a encore un combat incroyable entre ces deux pilotes. Thierry Roca, Frédéric Brassac. Oh là 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 là,
C'est magnifique. Non, 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 c'est pas magnifique. Ah, regardez, le décroisé, magnifique, c'est ça qui est magnifique, c'est incroyable. Est-ce que vous pouvez dire que Fred, là, vient de passer un pilote? Non. Ah non, puisqu'il est en train de se faire doubler, donc non, 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 il était devant. Non, donc, ah ben non, il a récupéré sa non, place. Non, 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 mais cherchez pas, c'est immuable, c'est une règle mathématique, ça ne se... C'est un véritable scandale. Bravo, Frédéric, bravo, c'était magnifique. C'est un théorème, c'est un théorème. Et les théorèmes ne se... Alors là, par contre, il a perdu du temps. Oui, il a perdu du temps là-dessus de moi. Aïe, aïe, aïe. Benoît, il reste encore du temps, il reste encore du temps pour revenir. Il reste encore 6 tours, mais ça fait du bien. Perdu quand même. Ça fait du bien pour Grégory, ça. Ouais, je pense que Grégory est bien content d'avoir vu. Mettez-vous à la place de Grégory Jarret. Je pense que vous pouvez mouiller le casque parce que franchement, la pression de Benoît elle est énorme et il joue la PMP2 quoi. Donc ils ne se font pas de cadeaux et là la petite erreur de Benoît effectivement. Je pense qu'il peut boire un coup dans la bagnole, Grégory. Boris qui est... Ah, Boris, il fait une super course, c'est Boris. Ouais, ouais, ouais. Boris plus 4, hein, Boris ouais, qui est en train de... Boris, une superbe course pour Boris. Boris qui n'est pas loin pour moi pour l'instant du... Ah, bah, moins bah, pour moi, jour, c'est lui. Hein. Ah, eh, pour oui, moi, c'est lui. D'accord, moi, on est d'accord, on est d'accord. Un undercut magnifique. À moins que Benoît fasse vraiment quelque chose d'extraordinaire en fin de course, mais sinon, vraiment, Boris a fait... une remontée du diable et pour moi c'est actuellement allez, le baron of the jour. Allez, acte 3, nous y revoilà. Nous y revoilà messieurs. Allez, allez Thierry. Allez, faut le tasser un petit peu, faut le tasser Thierry. Ah il est trop gentil Thierry, faut le tasser, faut le tasser un petit peu là sur l'extérieur, il faut pas le laisser Thierry. La petite répétite, hein. Ah oui, ça passera jamais ça Thierry, il faut le tasser un petit peu là. Hein. Allez, alors on sort ses bollocks. Est-ce que Thierry sur les derniers tours roule plus vite? Non, c'est toujours Frédéric qui a une dixième d'avance quand même sur Thierry à cause de ce virage, j'ai envie de dire. Oui, il est relâché chaque fois. Là, tout à fait. Tout à fait. Et une belle P6 pour Boris et une belle P5 pour Frédéric Raymond, mais qui se retrouve quand même avec une menace derrière de Boris qui n'a pas dit son dernier mot finalement. Non, tout à fait, tout à fait. Attention à ça. Frédéric Dranet. Belle P4, hein, belle P4. Ouais, hein, toujours, mais dans le No Man's Land un peu, parce que ça va être dur d'aller chercher Kevin quand même. Non, Fred Dranet, il ira chercher personne là. Il est moins rapide que Kevin de toute façon. Et je ne vois pas pourquoi il prendrait des risques pour aller le chercher. Frédéric Raymond est à 3 secondes, ça me semble compliqué pour Frédéric Raymond de remonter de toute façon. Frédéric Dranet a juste à gérer l'avance qu'il a sur Frédéric Raymond et je pense que c'est encore, comme vous dites, une superbe P4 pour Frédéric Dranet qui va s'installer à ce niveau, même au championnat, il me semble. Hein. Attention, hein. Allez, on va se petite erreur de Thierry. Erreur de Thierry. Ça y est, c'est parti devant. Fais bien les affaires de Frédéric Brassac. Ah, vous le connaissez, Brassac, c'est un métronome, hein, Fred. Il faut vraiment aller l'emmerder ou qu'il ait plus d'essence pour faire une erreur, quoi. Ouh, mais il est bien revenu, là, sur la descente, Thierry. Ouais. Oui, il est très très bien revenu, il est déjà au contact. Exactement, c'est il énorme. Il est déjà au contact, Thierry. Et non, ah, il y en a trop fait. Encore l'erreur. Mais il y en a voilà. Trop fait, Thierry. Et voilà. Aïe, 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 aïe. Il vaut mieux être un métronome deux, qui bat la mesure que quelqu'un qui va trop vite. Et là, au bout de la ligne droite, au bout de la ligne droite, il y aura bien 2 secondes de perdu. Ah là là, vous rendez compte comment ça coûte cher, ça. Quel dommage, alors qu'il s'était vu de pare-choc contre pare-choc. Hein. Et non, non. Parce qu'un peu trop de fougue, un peu trop d'envie, un peu trop de vitesse dans cette descente et c'est le drame. Enfin le drame, c'est pas le drame, il continue, mais c'est quand même quelques secondes de perdu et là ça va être très difficile de revenir sur Frédéric Brassac. Je pense que Boris est en... Ah il est en chasse, hein. Non, non, je pense justement qu'il n'attaque pas du tout Fred, qu'il essaie de rouler en équipe pour rattraper Frédéric Dren et ne pas se battre dans le vent, je pense. Mais ça va être 3 secondes, alors, ça va être long. On peut quand même dire les derniers tours, Frédéric Dren est 2,15,765, Frédéric Raymond 2,15,240, c'est-à-dire à peu près 5 dixièmes de mieux, et 2,15,285 dixièmes de mieux aussi pour
pour Boris, s'ils ont ces données-là, ils prennent 5 dixièmes quand même à chaque tour sur Frédéric Drané. Donc, c'était pas fait. C'était pas fait pour Fred. Effectivement, y a, pour moi, il n'y a pas un... Il n'y a pas assez. Après, il garde ses 3 secondes, hein, Frédéric. Je vois les 3 secondes conservées. Pour moi, je suis pas très inquiet. Par contre, Benoît, ça y est. Benoît s'est rapproché. Si la Benoît veut attaquer, il faudra pas y passer 3 ans. Il reste plus que 5 tours. À noter une superbe place de Pascal Miranda en P7. Qui, je vous le rappelle, est venu de 3 jours de séminaire. Il s'est assis sur le baquet. Il a dit « J'ai pas travaillé, je viens pour vous faire plaisir ». Et c'est à noter, et on l'embrasse à Pascal. C'est une belle performance qu'il vient de faire sur un circuit éprouvant. P7, bravo Pascal. Oui, bravo Pascal. Sans regarder le classement, je peux savoir que Fred de Brassac est 8e. Si Pascal est 7e, je peux regarder sans le classement. Dites-moi si j'ai juste... Ah écoutez, je ne peux pas vous contredire. Ah oui. Attention. Je suis obligé d'aller dans votre sens. Attention Boris. Boris se rapproche. Est-ce que Fred Raymond a fait une petite erreur? Allez Boris. C'est possible. Hein. C'est pas ici qu'il faut doubler Boris. Il faut se préparer pour le prochain Boris. Allez, c'est là, il faut les croiser. Allez Boris. Allez, il y va. C'est pris. Il est à l'intérieur. C'est pris. En fermant. Hop. Allez, c'est bon. C'est pris. C'est validé. Ah là là, mais moi, c'est le babouin de ce jour. Plus 5 pour Boris. Moi, j'ai rien à dire. Allez, Boris, il faut serrer un peu. La course n'est pas finie. Il faut serrer un peu, Boris. Il faut serrer à droite, Boris. Vous ne connaissez pas Monsieur Raymond. Il va vous faire les freins. Attention, il va les freiner. Oh là là, incroyable freinage de Frédéric Raymond. Il tient sa position. Si Boris était un peu mis à l'intérieur, c'était fini. Trop tendre, bordel. La tendresse de Boris, c'est un mal. Ah là là, Pascal, jamais Fred y passe. Mais Boris, c'est trop tendre. C'est un filet mignon, nous allons l'appeler filet mignon. Voilà, c'est un filet mignon. C'est mignon quand même, mais trop tendre. Boris, il avait tout fait. Il avait juste à... se placer devant lui, à l'intérieur, et c'était terminé. Et on connaît l'attaque de Frédéric Raymond qui ne laissera pas passer le moindre centimètre. Et là, c'était sûr qu'il allait le freinage de Fred Raymond est magnifique. Oui, freinage de Raymond, magnifique, parce qu'il n'a pas perdu la voiture. C'était parfait. Et avec la meilleure skin, donc on est obligé de s'incliner. C'est l'erreur de Fred Raymond, et voilà. Là, l'erreur fatale de Fred Raymond. Et Pascal qui cartonne derrière. Et ça permet On va redistribuer les cartes. Et ça permet attention. À Fred. Ça permet à Fred et de se repasser. Magnifique dépassement de Frédéric Brassac. Je crois malheureusement que Pascal a tapé. Je crois que Pascal a tapé. Sa vitesse de pointe est cassée. Tout à fait. La vitesse de pointe de Pascal est cassée. Regardez la différence de vitesse. Ça va redistribuer les cartes. Mais n'oublions pas que c'est Fred Brassac. Et derrière, c'est Thierry qui va en profiter. Oui, Thierry, vas-y, mon petit. Cette course est folle. Oh magnifique Thierry. Oh non Thierry. Oh là là. Deuxième attentat. C'est une honte. Et c'est Fred Raymond qui le prend. Et Brassac comme à son habitude qui ne double jamais. Énorme erreur de Frédéric Brassac. Moins 4 en position, c'est incroyable. Mais cette course est dingue. Même quand il tue les gens, Fred Brassac, il ne double pas. C'est incroyable. Écoutez, Grégory Jarret-PM, Benoît Vivard, Kevin Lambert, ça ne change pas. Mais alors là, Frédéric Dran, ça ne change pas. Boris, P5, Thierry Roca, P6, P7, Frédéric Raymond. Et Romain P8, qui est tout Pascal. Content d'avoir gratté une place. Bravo Romain. Romain qui vient de... Et c'est Thierry qui fait une opération de dingue.
Brassac peut se mordre les couilles, comme on peut dire, dans le bouchon noir. On ne le répétera jamais assez, Frédéric Brassac ne peut pas doubler dans ce jeu vidéo, c'est incroyable. Quand il essaie, il tue des gens, donc il est obligé de s'arrêter pour les laisser repartir. Bon, c'est fair play, hein, il s'arrête, il a bon esprit, mais alors qu'en fait, une fois que t'as tué Pascal, il faut en profiter tout de suite, faut pas avancer. Et... Après, grosso modo, Pascal est quand même passé de P5 à P8. Oui, mais je crois que tout ça vient de... Hey, c'est passé pour Benoît, incroyable, Benoît qui prend le lead. Ça y est, c'est fait, le lead est pris, Benoît, maintenant il faut le tenir. Allez, il faut être solide maintenant, Benoît, il faut rien lâcher, tu l'as dans les pieds, pour moi, il roule plus vite. Pour moi, il roule plus vite de toute façon. Oui, mais attention, l'erreur est vite arrivée. Attention, on l'a vu avec Frédéric Brassac. Deux tours de l'arrivée, quoique c'est peut-être même le last lap, non? Pas encore, nous n'avons j'ai pas un doute, de drapeau j'ai blanc. Vu un drapeau, bah j'ai vu un drapeau, moi j'ai vu un drapeau. Le bah, drapeau cas, jaune de Frédéric Brassac. C'est possible. Kevin tout seul, faisant un petit tour, Dranous tout seul sans problème. Boris course, tu vois, regardez, il y a un drapeau, on est d'accord qu'il y a quelqu'un qui agite un drapeau là, il me semble, sur la. Regardez là. Regardez à droite, regardez. À gauche maintenant, à gauche, vous voyez bien. Ah oui, drapeau blanc, oui, vous avez raison, vous êtes là, bravo. Bravo. Alors que il y a et Ketchou, bonsoir Ketchou qui nous suit. Hop là. Petit souci de relais sur le stream, malheureusement. Hop, je vais le rafficher. Par contre, c'est une phobie, le allez Pascal. Il est là Pascal, mais Pascal s'est fait emboutir environ 4 fois. Et c'est pas sa faute. Hein. Par son compère de toujours. J'ai quand même envie de dire, est-ce que c'est pas vous qui poussez Frédéric Brassac à être agressif comme ça quand même? Oh, bien sûr que non, bien sûr que non. Avec vos commentaires J'ai vu Greg glisser bien comme il faut là. Oui, mais Greg est toujours là parce que en fait il a un chasse de Benoît et je pense que Greg veut pas lâcher. Ah, je crois et ça va se batailler jusqu'au bout, mais bon, c'est la fin. Je crois que c'est le dernier tour, je suis pas sûr, mais je crois que c'est le dernier tour. Hein. Rendez compte que Benoît vient de le passer sur le dernier ou l'avant-dernier tour. Incroyable. C'est une maîtrise de la course assez parfaite, extraordinaire. Parfaite. Ouais, tout à fait. Tout simplement parfaite. Allez, nous allons voir le P1. Le P1. C'est beau, et P2 Grégory Jarret, P3 Kevin Lambert. Ce n'est pas encore arrivé, mais si, ça fini, ne saurait tarder. C'est fini, Benoît Pilon, Grégory G2, Kevin Lambert qui a en fini aussi une très belle troisième place. Ce qui va consolider sa position au classement. Je crois qu'il était déjà toi. Ah, il était peut-être deuxième, je sais plus, Kevin. Je ne sais plus sur la position de Kevin. On va le regarder. Je pense que Benoît va passer devant Kevin, je crois. Frédéric qui fait une superbe Frédéric, très propre, superbe. Malgré course. Deux places de perdu, mais il a des points vite. Mais c'est quand même une course à boutique. Boris, incroyable. Boris, pour moi, c'est le bad boy of the jour. Thierry Roca, sixième, mesdames. Thierry Roca, sixième. Thierry aussi a fait une superbe course. Hein. Thierry aussi. Hein. Frédéric Raymond qui sauve les meubles, j'ai envie de dire encore une fois. Pascal Mirande, trahi par son compère de toujours, Frédéric Brassac. C'est dur pour les deux hommes qui s'apprécient au quotidien. Qu'est-ce que j'ai avec Romain là? Romain, il était devant, qu'est-ce que c'est que ça? Romain, il a tapé. Et peut-être Frédéric Brassac l'a poussé dehors, je ne sais pas. Je regarde. Que s'est-il passé? Ouh, le freinage! Bon, tout va bien. Il le laisse passer. Non, il s'arrête là. Il s'arrête. J'ai l'impression que Romain l'a laissé passer. Est-ce que Romain n'est pas fautif sur tous les accrochages? Je crois pas. Pourquoi s'arrêter? J'ai pas trop compris, mais là, Romain, on voit très nettement que Romain s'arrête. Regardez, il freine, il se met à l'intérieur et là, il s'arrête complètement. Là, il accélère pas du tout. Mais est-ce qu'il a pas trop freiné pour pas taper le Pascal? Non, je pense pas du tout.
Non, ah, c'est volontaire. On demandera tout ça. C'est pourquoi volontaire, je sais pas pourquoi. Oui, je ne sais pas. Il doit y avoir quelque chose là à creuser. Je ne sais pas du tout. Donc Romain Pédi, Paul Virgueux, P11, Yvon Danzé, P12, toujours en course. Et Philippe Remon et Jean-Jacques Théian qui ont quitté la course. Hein, je ne les vois plus. Donc je pense que c'est ça les résultats. Et on a eu une superbe course là. Alors, ah, là oui. Quand même, on a eu une course animée et quand même relativement très propre. Jusqu'à la dinguerie, j'ai envie de dire, de Frédéric Brassac qui a complètement lâché les feux d'artifice. Et là ça s'est animé. Encore une fois. Bravo Fred. Alors, est-ce que ça Allez. Marche mon petit truc? J'ai pas l'impression, malheureusement. En termes de babouin ce jour, si on peut nous aider, moi je verrais bien quand même Boris. Oui, pour moi, Boris sans... Boris a été solide. Sans hésitation. Thierry a fait une super course, mais a bénéficié de toutes ses petites erreurs. Mais Boris, ça a été propre. Hein. Alors, je vais vérifier, mais je me demande si mon tableau n'est pas juste pour les résultats. Et on a un Benoît qui reprendrait la tête du championnat. Je trouverais ça assez fou. C'est possible. Boris, meilleur arrêt au stand aussi, hein, à noter. Je trouverais ça assez fou que Benoît passe devant. GT4, View Season. Pour l'instant, les calculs ne sont pas faits sur le championnat. En tout cas, je ne les vois pas. Je ne les vois pas de mon côté, mais j'ai l'impression que ces résultats peuvent coller. J'ai l'impression que ces résultats peuvent coller. On va attendre un petit peu que iRacing mouline et pédale dans la semoule. Mais ça serait beau parce que ça a été une belle course de Benoît. Pendant ce temps-là, nous allons afficher. Nous avons dit. Le Bab. Boris. Ah, y a pas photo. Boris Adam. Hop là. Et on va aller le piquer aussi. Oui, je vérifie les classements. Laissez-moi finir ça. Je vous en prie. Laissez-moi finir. Et superbe course quand même sur ce Moon Panorama à Bathurst. Vraiment, pas piqué des verres. Nous avons le tableau à jour. J'ai plus qu'à retirer une course pour tout mettre en branle. Alors. Hop là. Nous allons voir arriver le classement. Et je rappelle la grille, donc Benoît Vivard qui vient de remporter cette course, suivi de Grégory Jarry, Kevin Lambert qui font le podium, Frédéric Drané à la position numéro 4, à la position du démon, Boris qui prend la P5, Thierry Roca P6, Frédéric Raymond P7, P8, Pascal Mirande, Frédéric Brassac P9, Romain Guettman P10, Paul Virieux P11, Yvon Danzé P12, Philippe Raymond P13 et Jean-Jacques Théian P14. Voilà pour le classement de cette course. Alors, je n'ai pas tout à fait les mêmes résultats que mon petit tableau, donc je vais l'effacer parce que je pense que le iRacing est plus juste. Nous aurions donc P1 Grégory Jarret avec 740 points. En retirant la course bonus, bien évidemment. Tout à fait. P2, Benoît qui passe devant Kevin à 732. 8 points d'écart avec Benoît. Oh là là. Très serré. Énorme. Kevin Lambert, 713 points. A donc une petite vingtaine de points de Benoît. Donc encore extrêmement serré. Tout est jouable entre ces trois pilotes. Ouais, P4, solide de Frédéric Drané avec 617 points. Pascal Mirande, 601 points, position solide. Frédéric Brassac, 566 points. Frédéric Raymond, 544. Là, on a encore un tir groupé où tout est jouable. Hein. Boris, pareil, 527, ouais, c'est ouais. Tout à fait jouable. Paul aussi, c'est encore jouable à 483. Romain, 460. Yvon, 427. Jean-Michel, 419. Stéphanello, 417. Fifi Remond, 395. Et ensuite, nous n'avons que des pilotes, malheureusement, qui n'ont pas fait toutes les courses. Il manque deux courses pour certains, j'ai l'impression. Ouais. Donc là, le classement est complètement... Deux courses, on n'a qu'une course Joker, ouais. On n'en a pas deux. Et si on en avait cinq, on serait premier. Allez, six, pardon. Allez, en avait six, on serait premier. C'est complètement con. Nous allons choper le babouin of the jour. Allez, je vous en prie, Boris. Allô, Boris. Allô, Boris.
Ah merde. Bonjour Boris. Ah merde, ah, vous êtes à l'antenne, c'est... Boris. Un peu de tenue, s'il vous plaît. C'est gentil, nous on voulait vous dire bonjour, bonsoir. Bonjour, comment allez-vous ce soir? Ça va, Boris. Ah, mais écoute, vous avez aimé ce que vous avez vu? Eh ah, ben, on magnifique. A tellement aimé que vous avez été élu Babouin of the Jour, monsieur Boris. Ouais, bravo, Boris. Ah, bravo. Merci. Qu'est-ce qui avec vaut l'honneur d'être le Babouin du Jour? Bah, cinq positions de gagné. Et une bataille plus que propre. Et un undercut sur Pascal assez magnifique. Donc, un meilleur arrière standard. Je n'avais pas le choix en fait. Il ne laissait pas passer. Et bah c'est très bien joué. Ah bon et bah, c'est très bien Pascal joué. Pascal ne laisse pas passer. C'est étonnant. Non, mais après, c'est étonnant. C'est bien. Et non, après, il a joué son jeu, c'est normal. Je regrette même d'être. J'aurais dû undercut plus tôt en fait. Parce que je me suis vite rendu compte que j'étais plus rapide et que je passerais pas. Et tu as, on va être honnête, tu as été tendre sur Frédéric Raymond. Ah. Oui. Oui, quand tu l'as dépassé, quand tu l'as, tu verras en replay si tu regardes, quand tu l'as dépassé en ligne droite, ouais. Tu n'avais plus qu'à te déporter un petit peu vers l'intérieur pour l'empêcher de repasser. C'était je gagné. Sais. Je sais. T'as en fait, été un peu tendre. T'as été un peu tendre. Ouais, mon spotter me disait qu'il était toujours là et mon. Après, il a fait un freinage magnifique. Hein. Il a fait un freinage d'accord, incroyable. Okay. Mais ouais, j'ai pas voulu prendre le risque. Mais t'aurais pu, voilà, en le tassant légèrement vers l'intérieur, tu lui faisais comprendre que c'était pas possible et c'était, voilà, c'était jouable. Mais en tout cas, le freinage à l'extérieur, Fred, mais ça aurait pas. Mais été ça suffit, pareil. Ça suffit, puisqu'il s'est tué 30 mètres plus loin oui, dans la j'ai descente. Été un peu donc, patient, donc c'est bien joué, c'est bien joué, très bien joué. Je rectifie juste un truc, c'est deuxième meilleur arrêt au stand après Frédéric Dranet. Donc bravo pour tes stands quand même parce que voilà. Ouais, c'est, mais là c'est aussi parce que bah du coup j'ai save pas mal de derrière de fuel derrière Pascal. Pascal. Bah, ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Et bah c'est bien joué Boris, félicitations. Bravo Boris. Et bah merci. Mais, bravo. Bonne journée. Allez à plus. Ouais, ciao. La bise. Ciao. Ouais, on va quand même aller chercher le leader. Eh ben. Hein. On va chercher le leader. Hein. Monsieur Benoît. Bonsoir messieurs. Bonsoir Benoît. Quelle course aboutie Benoît. C'est magnifique. Hein. Que dire course que dire parfaite. Sur ta gestion. Il y a ouais, course c'est... parfaite on peut dire. Gestion, pas de précipitation. Effectivement, mais j'étais pas sûr à 100% de pouvoir le doubler quand même. Hein. Ouais, c'était difficile, on est d'accord. Mais, mais ça a été parfaitement réalisé. Et tu roulais plus vite, un poil plus vite. Ouais, ça suffit. Je pensais qu'au stand, par contre, au stand, t'as perdu une seconde au stand. Je me suis dit, ah là, c'est coup dur. Par contre, elle redémarre très mal, même avec l'embrayage dans la Mercedes. T'aurais peut-être dû tenter un undercut. T'aurais peut-être dû tenter l'arrêt un tour plus tôt pour lui mettre le doute ou. Seconde et demie, t'as perdu sur Grégory, très exactement. J'ai préféré assurer le coup et me dire, reste derrière. Et puis avec l'aspi, tu vas pouvoir le doubler là, au bout de la ligne droite, tout là-bas. Là, et ça, j'ai préféré le garder en visu. Alors après, j'aurais peut-être pu essayer l'undercut. Ça a fonctionné, écoute. Ça a fonctionné, c'est l'important. Très belle course. Ah, moi, j'ai trouvé une superbe course. Et vraiment, ça te permet, de repasser... P2 au championnat, me semble-t-il, avec la course Joker. Donc là, vous avez un petit groupe Greg, Benoît, Kevin en une trentaine de points. Donc, à mon avis, tout est jouable. Tout est jouable au niveau de la première place. Là, on va avoir de la bagarre sur la prochaine course. Bon, eh ben, félicitations encore. Bravo, vraiment, merci les mecs. Merci de commenter. On va aller regarder ça après. Et puis, la prochaine. À la prochaine! On te félicite bien sûr pour ta magnifique livrée. Ah, allez. Incroyable. Bonne soirée. Hop, ça y est, il est dégagé. Hop, à dégager. Qui voulez-vous interviewer? Ah bah écoutez, moi je j'aimerais vraiment recevoir. Alors il y en a plein à recevoir. J'aimerais recevoir Pascal pour lui dire merci quand même d'être venu. J'aurais préféré Brassac, mais c'est pas grave. On va prendre Pascal. Mais on peut prendre Fred après dans la foulée. Il y a pas de problème. Bonsoir, salut Pascal. Hello les amis. Comment vas-tu? Bien joué Pascal. Bon, j'en ai un peu pris plein la gueule. Pour oui, tu es resté sur la piste, c'est l'important. Tu écoute, je m'étais dit, je vais me faire un petit challenge, je vais essayer de faire 0x et j'y étais. Hein. Tu t'es encastré dans Fred Raymond, c'est vrai. C'est impossible de l'éviter. Alors, il n'a pas bougé, donc voilà, il n'en peut rien. Et puis après, il y a le Brassac qui s'est ramené là. Et puis.
à un moment donné, je me suis dit. Parce que sur les autres courses, on lui disait souvent « Ouais, mais Fred, il n'ose pas dépasser. » Je me suis dit « Ouais, mais là, évidemment, il va penser à ça. Donc, là, il va vouloir dépasser. » Il a fait n'importe quoi. Il a fait n'importe quoi. Et bon, voilà. Après, je lui en veux pas parce que je l'aime bien, je le connais bien. Les compères, si on le rejoue, c'est vous deux. Ouais. Donc, je sais que c'est... Voilà. Il a dû, à un moment donné, mais c'est une fraction de seconde, il s'est emballé le Fred. Et puis bon, voilà, c'est comme ça, et puis c'est pas grave. Tu restes très bien placé au championnat de mémoire avec la course Joker. Tu es toujours un P5, P6, mais très proche de tout le monde. Donc, à mon avis, tout est encore jouable, même le podium. Moi, j'ai dû perdre parce que j'étais. 4, je crois. Mais ça change rien. Avec la course de Joker, c'est la course la moins bonne. Donc ça a pas trop changé pour toi, je crois. Je vais vérifier ça tout de suite, mais moi je voulais te remercier d'être là ce soir parce qu'on sait que c'était pas évident pour toi de venir ce soir et vraiment merci Pascal parce que voilà ça fait plaisir d'avoir les pilotes qui mouillent un peu la chemise pour la BB1 et je ne saurais trop te remercier quoi. C'est parce que tu m'as demandé parce que je te jure que j'étais 20 minutes avant, je te jure, j'étais encore sur l'autoroute hein, je revenais de Paris, j'étais crevé, j'ai dit à Tom ça va être difficile et vos discussions privées n'intéressent pas le grand public. Merci bien, bonne soirée, merci messieurs. Voilà. À bientôt. Ouais. Allez, Frédéric Brassac. Frédéric Brassac. Je te laisse lui parler. Allô. Salut, Fred. Non, sortez-moi de là, s'il vous plaît. Pourquoi, monsieur? Je ne veux pas il parler. Il le sait. Mais agressif, agressif. En plus de pas foutu et de doubler, de pas être foutu de doubler quelqu'un, alors, il est agressif. Regarde la course et dis-moi qui double sans qu'un autre s'accroche. Personne double ici. Qui a doublé Pascal? Personne. T'as failli le doubler, toi. Ah oui, mais c'était un peu sans doute. Il a doublé quand vous étiez dans le talus. Il vous a doublé, Thierry Roca, sans aucun problème. Ah oui, il a doublé. Boris vous a doublé, exactement. Non, on était une technique avec Boris. J'ai dit, tiens, tente ta chance, passe-moi et essaie de doubler Pascal. Il n'a pas réussi non plus. Ah, il a undercut, il est P5, Boris. Il est P5, Boris. Oui, parce qu'on s'est tué avant. Non, c'est l'undercut qui ouais. Il a eu l'undercut et il a passé Pascal. Il a fait un super barré, Boris. Il a fait un super barré. Mais bah, moi, j'ai une question rapide, quand même pour Frédéric, quand même. Est-ce que c'est à cause de commentaires toxiques que tu arrives à piloter comme ça maintenant ce soir? Comment? Est-ce que c'est à cause de certains commentaires toxiques que ce soir tu pilotes comme ça? Oui, je pense que ça m'a influencé, ouais. C'était pas dans mon jour habituel. Ouais. Non, mais parce qu'on a vu des commentaires passés qui n'étaient pas très jolis, effectivement. Ça, quand même, il y a quand même des choses à creuser. C'est clair. Non, je suis. Bah, c'est comme ça. C'est après, regardez le classement. C'est la bataille, les gars. Les 6 dernières voitures, c'est des Porsche. Et les 6 premières, c'est des Mercedes. À part 2 missiles et un BMW devant. C'était pas 6e quand même avant le drame, donc. Je bataillais, mais. Ça ne change pas ta position au championnat. Ça change pas la position au championnat de toute façon, donc il y a pas de. Ouais, mais je perds des points quand même. Non, ça n'a pas changé ta place au championnat. Il y a la course bonus qui a sauté, le championnat est toujours aussi serré. Il y a pas vraiment de. C'est dommage parce que j'avais train là-dessus et impossible de doubler le Miranda. Hein. C'est impossible. Mais disons qu'il y avait le groupe de deux. Si tu veux être propre, tu peux pas. Tu peux forcer, il faut forcer, il faut décapsuler sur ce circuit, il faut décapsuler. Il y a eu des beaux dépassements. Il y a eu un Boris. Avec Thierry, on a bagarré, il m'a doublé, je l'ai redoublé. Il y a eu quelques beaux dépassements. Il était plus rapide, mais j'ai tenu, on s'est redoublé. Et puis après, il a touché le mur. Eh oui. Eh ben merci quand même, hein. Merci quand même. Belle course. Je regarderai le replay et je vais pleurer avec vos commentaires. Il y a juste la fin qui était un petit peu. Ah brouillon à la fin. C'était brouillon à la fin. Non mais voilà. En fait, Fred, t'as retrouvé tes 20 ans. De doubler Pascal. Je dis c'est maintenant ou jamais. Je l'attends et ça marche pas. J'ai cru que Pascal avait cassé la voiture. Trois fois tu l'as tenté d'ailleurs. Trois fois. Tu l'as touché deux fois. Non, je l'ai touché deux fois.
Et la deuxième, j'ai complètement loupé mon point de freinage parce que j'ai vu Thierry arriver comme une balle à gauche. Ouais, tout à fait. Il m'a perturbé et là, je l'ai dive. C'est la course. La poussée de Seb a été trop forte. Je te cache pas que le prochain circuit pour dépasser Pascal, ça va être compliqué aussi. C'est la maison pour Pascal, donc c'est Zandvoort. Ah oui, mais c'est le nouveau Zandvoort, il ne le connaît pas. Il ne le connaît pas. Oui, il est nouveau, t'as raison. Bon, allez, merci bien, Fred. Bonne soirée, Fred. À plus. Bisous. Est-ce qu'on n'irait pas choper un Thierry Rocca qu'on n'a jamais? On n'a jamais au micro. Thierry a fait une superbe course. Allô, Thierry. Salut, Thierry. Salut. Bonsoir, Thierry. Eh ben, Thierry, course impeccable, dis donc. Belle course. Bah oui, là, ça mérite au moins 100 points pour le 0x. T'as eu 0x? Non, mais... Ouais. Ah, on a... Il me semblait que t'avais frotté des murs, mais... C'est les mecs de VAC qui ont eu des X, hein, Thierry? T'as su profiter du cafouillage à la fin entre Pascal et Frédéric, là, c'était parfait. C'était parfait. Non, mais c'est qu'il était là, c'est qu'il a bataillé depuis le début. Ah, P6, hein, plus 3 places, hein, plus 3 passes, c'est P6, hein, Thierry, donc... Ouais, super. Donc rien à dire, hein, course, très belle course, très belle course. Propre avec Frédéric Brassac aussi. Quelques échanges de position. Oui, il y a eu un double beau combat entre Frédéric Brassac et toi, et puis t'as été solide jusqu'à la fin, là où les gens ont craqué, t'as tenu. Ouais, c'est sympa, merci. Et ça suffit. Eh ben, félicitations, Thierry. Ça a été une belle course, Thierry, bravo à toi. Si, les gars. Bonne soirée. Salut. À plus. Bon, Thierry, c'est pas le plus expansif de tout le monde, hein, non plus. C'est la cartouche, quoi. C'est la cartouche. Si vous avez une fête organisée, n'invitez pas Thierry. Non, mais je l'adore, mais quand même, m'emmerde pas. Il est sobre. M'emmerde. Bon, on a fait le tour. Ouais, on pourrait en prendre plein d'autres parce qu'il y a plein de choses à dire. On fera la prochaine. C'était voilà, Benoît, Grégory, Kevin, voilà le podium, Frédéric Dranet, Boris, Thierry, Frédéric Raymond, Pascal Miranda, Frédéric Brassac, Romain Gentman, Paul Virieux, Yvon Donzé, Philippe Raymond et Jean-Jacques Théian. Voici le classement des pilotes qui étaient là ce soir et ça a été une course formidable. Où est-ce qu'on va aller partir? Ah! Attendez, je le fais maintenant! Mais attendez, j'ai pas dit le proverbe australien, bordel de merde! Mais quoi? La course a été bonne, hein, parce que pour que je dise pas les trucs, quand même. Attention, proverbe australien. Lancez-vous sur un proverbe de gourou. Mordu une fois, timide deux fois. Ok, voilà, c'est proverbe de gourou, magnifique. Proverbe de gourou, incroyable. Tout à fait. Où serons-nous la semaine prochaine, hein, monsieur Tom? Zandvoort, comme nous l'avons dit tout à l'heure, Zandvoort, la quatrième course du championnat. Zandvoort, nouveau tracé. Enfin, nouveau tracé. j'allais dire en Belgique. Voilà. Eh bien, écoutez, Zandvoort, nouveau circuit, nouveau tracé. Je pense qu'aussi, il y a de quoi faire. Les pilotes le connaissent, donc je pense qu'il va y avoir quand même de. Une belle petite bataille. Ouais, sympa, avec les bankings, on va avoir des belles choses. On peut avoir des beaux dépassements dans les bankings, je pense. Ça peut être très sympa. Que ça change un peu le pilotage, ces petits bankings-là. Enfin bon, bref, on en parlera la semaine prochaine. Le classement a été donné. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? J'ai envie de vous souhaiter bonne soirée à tous ceux qui nous suivent une bonne et très très bonne soirée. Et je fais la bise à tout le monde. Je vous fais la bise, Tom. Et ça a été encore un régal avec vous ce soir. Je vous embrasse. Bisous à tous. Bisous, Stéphane. Bisous, messieurs. À plus.